إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce live spécial, l'Alhamd, à l'approche du Ramadan. Ce Ramadan approche à grands pas, c'est la semaine prochaine. Le Ramadan étant une occasion, une opportunité importante pour chaque musulman de prendre du recul, de se délester de tout, de la vie d'ici-bas et de ses attraits, de ses passions, et l'occasion aussi de maximiser les bienfaits, les bonnes occasions pour de se rapprocher de son Seigneur. C'est une occasion également de s'élever en degré. Et nous souhaitons effectivement profiter de ce moment, de cette occasion qui est importante pour chaque année, de ne pas louper le coche, comme disent certains. C'est pour ça qu'alhamdoulilah, on a voulu faire ce live-là à propos du Ramadan pour bien le préparer dans les meilleures conditions et être en... avoir l'attitude la plus adéquate vis-à-vis de ce mois béni. J'ai le plaisir d'accueillir le Cheikh Mahmoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur, qui va nous parler des aspects spirituels et comment préparer ce mois béni. Et j'ai aussi l'occasion, alhamdoulilah, encore une fois, d'accueillir Dr Rida, qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur, qui va nous parler des aspects liés à la santé, à la nutrition, au sommeil, etc., pour bien aborder ce mois dans les meilleures conditions. Donc on va commencer par Cheikh, qu'Allah le bénisse. Merci. Et j'ai aussi, alhamdoulilah, juste une petite remarque, c'est la première fois, c'est pour ça que j'appelle ça un live spécial. On a les frères de la mosquée, les fidèles qui sont avec nous, je pense peut-être des sœurs, je ne sais pas. Mais alhamdoulilah, il y a des frères qui sont derrière les caméras, qui sont avec nous. Du coup, on en profite effectivement de leur présence. Inch'Allah, ils poseront des questions à la fin du live. Mais alhamdoulilah, c'est un moment d'union aussi, à la fois online et offline aussi, ici, au sein de la mosquée in situ. Koubarakallahu fik Cheikh, tu peux introduire, jazakallahu khairan, cet épisode. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابتي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, donc les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, l'excellent, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, comme si Mohammed a bien introduit le sujet, c'est un mois particulier, on le sait. Et peut-être la première leçon, c'est le fait que c'est Allah qui donne la valeur aux choses. C'est pour cela qu'il a mis dans ce mois ce qu'il n'a pas mis ailleurs. On ne lui pose pas de questions. Il a choisi le mois de Ramadan, qui n'est pas, comme vous le savez, un des quatre mois sacrés, mais qui est un mois béni. Et comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, c'est un mois béni pendant lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a honoré cette communauté comme il n'a honoré aucune communauté avant nous. Il l'a honoré par donc une adoration particulière qui est le jeûne. Et comme on le sait tous, mais il n'y a pas que le jeûne dans ce mois. Et le but avoué, c'est vraiment pour atteindre la piété. Et donc cette piété, comme le définissent les savants, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en évitant de lui désobéir. Donc l'obéissance, pourquoi? Parce que c'est lui qui se passe de tout et dont l'obéissance est exigée pour rencontrer son agrément. Donc c'est le but même. Et tout ce qu'Allah propose, promet, est vrai.
et le, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est réservée, en tout cas son agrément et son paradis sont réservés pour les pieux. Et les pieux, c'est donc ceux qui profitent de ce mois. Ceux qui nous ont précédés ont également profité du jeûne pour l'atteindre. Et Allah sait que c'est le meilleur des moyens pour atteindre le but qui est la piété. S'il avait voulu, ça aurait pu être la prière, parce qu'elle est extrêmement importante, comme on le sait, c'est le deuxième pilier de l'islam. Mais Allah a mis dans le jeûne ce qu'il n'a pas mis ailleurs. Mais surtout, il a mis dans ce mois ce qu'il n'a pas mis dans d'autres mois. C'est pour cela que ce n'est pas seulement une invitation à l'adorer, mais c'est une invitation à l'adorer à un moment bien particulier qui est le Ramadan. Donc le Ramadan est un mois béni, alhamdoulilah, pendant lequel Allah a révélé le Coran. Et c'est également pendant le mois de Ramadan, comme vous le savez, qu'il a révélé la Torah à Moussa, alayhi salatu salam, qu'il a révélé l'Injil, l'Évangile à Jésus, alayhi salatu salam, qu'il a révélé les psaumes à Daoud, alayhi salam, et également c'est le mois pendant lequel il a donné les feuilles d'Ibrahim, alayhi salatu salam. Donc voilà, c'est un mois qu'il a choisi, c'est des moments qu'il a choisi, et il a décrété de jeûner les journées et de veiller les nuits. Et donc Allah a mis la meilleure des nuits de l'année dans ce mois. C'est le meilleur des jours dans le dernier mois qui est Dhul-Hijja. On ne lui pose pas de questions. C'est lui qui sait, il a donné le poids à ce qu'il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, il bénit qui il veut, il maudit qui il veut. Il accorde sa miséricorde à qui il veut, on ne lui pose pas de questions. Donc ce mois, il est particulier et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois tellement béni, tellement particulier, qu'il a dit un jour meilleur qu'aujourd'hui, amin, 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 et les gens ne l'ont pas vu, il est monté sur le mimbar, que l'on ne voit pas ici, on ne voit que le mihrab derrière moi, il est monté sur le mimbar, il a dit amin, ensuite amin, ensuite amin, on lui a dit, ya Rasulallah, pourquoi tu as dit amin? Nous on ne voit personne, à part toi, il dit parce que j'ai rencontré l'ange Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, et il m'a dit qu'il soit humilié ou qu'il s'excuse. Celui qui ne profite pas du mois de Ramadan pour synthétiser, pour rentrer au paradis, il sera éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit amin et j'ai dit amin. Donc c'est un mois unique. Si on disait à chacun d'entre nous, voilà le paradis, en un mois d'adoration, c'est que tu ne peux pas mériter par autre chose, sauf la miséricorde d'Allah. En un mois, voilà un mois. C'est pas, on ne va pas parler de solde, mais il est évident que si on nous promet le paradis même sur terre, en faisant quelques efforts, je suis sûr que chacun d'entre nous ferait des efforts. Et donc Allah nous propose un mois pendant lequel il nous demande de jeûner et d'abandonner donc ce que nous aimons pour lui. Et le jeûne a ça de particulier qu'il n'y a aucune adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé que c'est pour lui. Il a dit dans un hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et consigné dans les deux, même plus que les deux authentiques, les actes des fils, du fils d'Adam sont récompensés et tous lui appartiennent de 10 à 700 fois, sauf le jeûne m'appartient. Et donc c'est pour cela, même si on jeûne en dehors du mois de Ramadan, le Ramadan a cela de particulier que c'est le mois du jeûne. C'est un des piliers, comme vous le savez, généralement on le cite parmi les quatre piliers, le quatrième pilier de l'islam. Et donc ce mois a ceci de particulier, même ceux qui ne jeûnent pas bénéficient quand même de... Donc cette particularité, de cette bénédiction que Allah a réservée donc au mois de Ramadan. Et le jeûne, alhamdoulilah, peut-être qu'on aura certainement l'occasion de le préciser pour ne pas être trop long, le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc il est accordé aux jeûneurs ce qu'Allah n'a pas accordé aux autres. Mais je te laisse la parole. Effectivement, tu as mis en avant l'importance en fait, du jeûne, et surtout l'objectif premier derrière le jeûne, qui est l'affirmation, la confirmation de la foi et de la piété. La'allakum tattaqoun, comme Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment important de se préparer spirituellement à ce mois. Ce n'est pas une préparation, alhamdoulilah, on verra la préparation peut-être physique et comment se préparer du point de vue santé et nutrition, mais ce qui est important, c'est le côté spirituel. Comment on peut se mettre dans les meilleures conditions pour aborder ce mois du point de vue psychologique, spirituel? La meilleure façon certainement de l'aborder, c'est de remercier Allah pour nous avoir accordé ça. Oui. Parce que quand on ne sait pas l'importance d'une chose, on la minimise bien sûr et on n'en profite pas. Donc c'est un mois unique. C'est un mois unique et Allah ne l'a accordé, comme je dis, à aucune communauté, et comme il a favorisé la communauté de Mohammed.
Donc l'aimer, aimer ce que Allah aime, sachant que Allah n'a ordonné que le meilleur, faut surtout être presque pressé que ce mot arrive, parce que combien de gens ne pourront pas jeûner, combien de gens nous ont quittés l'année dernière, et peut-être combien quitteront également avant que le mois donc, ne voit le jour, parce que ce n'est que la semaine prochaine. Donc psychologiquement, il faut attendre ce mois, comme on attendrait à l'aéroport les gens qu'on aime. Ils vont arriver, et ça va arriver, oui, ça va arriver quand on a annoncé que l'avion va atterrir, il n'a pas de retard, et il n'y aura pas de retard, inchallah. Il n'a pas de retard, il va atterrir bientôt, et il est déjà atterri, et les gens vont débarquer. Et donc les bienfaits d'Allah vont être multipliés, et donc on les attend. C'est pour ça que psychologiquement, chaque jour, chaque heure qui passe, je dirais, on doit remercier Allah, être reconnaissant, malgré l'appréhension que l'on peut avoir pour ne pas manger, ne pas jeûner. C'est pour cela que c'est important que Satan ne rentre pas dans notre intention en disant, ben, écoute, je vais profiter avant que le ramadan arrive. Non, parce que le ramadan n'a pas d'équivalent, le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc malgré l'appréhension, Satan veut justement diminuer, et on le verra peut-être, inchallah, mardi prochain, il veut diminuer donc la récompense. Comme tu sais que Allah te dit que le jeûne lui appartient, il n'y a pas mieux que cela, tu dois l'accueillir donc de la meilleure des façons, t'y préparer psychologiquement en disant « Oh, que mon Seigneur est généreux, il m'accorde ce qu'il n'a accordé à personne et l'acte lui appartient, donc je vais essayer de purifier au maximum l'acte, notamment au niveau de l'intention. » C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de savants disent que si le jeûne appartient à Allah, quand il le précise, tout lui appartient bien sûr. Tout appartient à Allah, mais si Allah précise que le jeûne lui appartient, c'est parce que le jeûne, on le fait, on le voit, Allah seul sait l'intention. Entre un jeûneur et un non-jeûneur, on ne doit pas voir la différence. Sauf dans le comportement. Quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui n'a pas jeûné, on ne peut pas le savoir. Sauf que Allah sait pourquoi tu l'as fait, et la récompense est justement en fonction de l'intention qui est secrète, que les anges ne savent pas, que les djinns ne savent pas, que même Satan ne sait pas. Donc il faut purifier cette intention-là pour le faire que pour Allah seul. On sait que l'intention pure pour Allah seul est l'une des trois conditions pour que Allah accepte donc l'œuvre. Lui qui se passe de tout, c'est l'islam, on a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 3, Ali Imran, verset 85, dit donc ce qui est traduit, « وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يَعْنِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Celui qui recherche à s'approcher d'Allah par autre que l'islam, Allah ne l'accepte pas de lui, et dans l'au-delà, il fait partie des perdants. La deuxième, et quelle importance, c'est l'intention, que Allah seul sait. Donc il faut purifier son intention, c'est tellement facile. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu abandonnes des choses pour Allah, mais Allah seul le sait. Si tu commences à tergiverser, à raconter, oui, je suis fatigué parce que je jeûne, parce que Allah me doit ceci et cela, il annule l'acte. Et donc c'est vraiment de se préparer et bien accueillir donc le jeûne, c'est pour cela que nous sommes là, bien accueillir le mois pour ceux qui pourront le jeûner, parce que tout le monde ne pourra pas le faire. Et donc c'est vraiment s'attendre à accepter ce cadeau d'Allah, puisque celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, dit le prophète sallam, avec foi, pas pour accompagner quelqu'un, avec foi et espoir de la récompense, c'est pas pour perdre des kilos, même si la conséquence est effectivement médicalement, probablement, le docteur Rida va nous en parler, mais c'est avec foi, j'ai foi en Allah, j'ai foi en sa promesse, et espoir de la récompense, il y a une porte qui nous est réservée, inshallah, qui est la porte al-Rayyan, qui est l'une des 8 portes par lesquelles seuls les jeûneurs vont rentrer. Ils vont dire, Mu'adhin va dire, où sont les jeûneurs? On va se lever, inshallah, on va rentrer par cette porte, et ensuite on va fermer la porte d'après une version, et personne ne pourra rentrer par cette porte du paradis, sauf les jeûneurs. Donc moi je dirais que le plus important, c'est vraiment dans le cœur, certains diront dans la tête, c'est se préparer psychologiquement. Si Allah nous permet, parce que certains ne pourront pas jeûner, même qui sont peut-être parmi nous, soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un empêchement. C'est Allah qui te permet de t'honorer par ça. D'autres seront éprouvés par autre chose. Wallahu a'lam. Le fait de dire que c'est une opportunité, ce n'est pas une contrainte, même si c'est le mois de la patience par excellence. Effectivement, toutes ces adorations passent par des contraintes. Mais il faut voir le côté positif, c'est que c'est une opportunité pour être meilleur, pour récolter plus de bienfaits, plus de récompenses, et surtout une porte vers le paradis, comme tu l'as dit, barakallahu fik. Et surtout, si tu pouvais nous parler, faites entre Ramadan et le Ramadan,
ce qui est le hadith du prophète, c'est très important de le prendre en compte, parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une opportunité de pouvoir arriver au ramadan d'après. Si tu pouvais, barakallahu fik, juste faire un rappel sur ce hadith qui est vraiment important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en substance les cinq prières. De ramadan à ramadan, de la umrah à la umrah, provoque la miséricorde d'Allah de nous pardonner nos péchés véniels si les grands péchés sont évités. Donc, inchallah, on verra, je pense, pendant le mois de Ramadan, on aura probablement un sujet à traiter qui est le repentir, etc. Le repentir, il y a une série qui revient vers Allah, Allah pardonne tous les péchés, petits ou grands. Mais là, les péchés mineurs, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, ils sont innombrables. On pense qu'on ne fait pas de péché, alors qu'en réalité, tout moment, comme le disait Ibn Qayyim, que l'on passe dans cette vie sans mentionner Allah, c'est un moment qui est perdu. Comment on peut remercier Allah? On ne peut jamais le faire. Et Allah n'aime pas les ingrats. Donc à chaque moment, même en dehors des injustices que l'on sait que l'on fait, des injustices dont on n'est pas conscient, on est injuste vis-à-vis de soi-même en ne remerciant pas Allah, en ne lui vouant pas son culte, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça qu'Allah dit dans la sourate 35, verset 45, ou dans la sourate 16, verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour les injustices, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain ou un seul être vivant. Ce qu'on est injuste, on le sait, on ne le sent pas. Allah nous donne à manger, à boire, à respirer, la santé, tout. Tout ce qu'on a, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ». Tout bien qui vous arrive, c'est de la part d'Allah. Et donc, on s'en rendra un peu plus compte peut-être en jeûnant, quand on a un peu faim, quand on a un peu soif, quand on est un peu fatigué, on se dit, mais finalement, Allah, pendant 11 mois, voire plus, nous a donné la santé, nous a permis de manger quand on veut, nous a permis de boire quand on veut, nous a permis de dormir quand on veut, alors que là, on va faire un peu d'effort. C'est dans le manque, comme le dit le poète, c'est dans le manque qu'on reconnaît vraiment l'importance d'une chose. C'est quand on est malade qu'on reconnaît que la santé est importante. C'est quand on a faim qu'on reconnaît que le fait de manger est important, etc., etc. Donc effectivement, Allah nous donne l'occasion de sortir de ce mois purifié donc de nos péchés mineurs, si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, parce qu'il n'accepte que les pieux, raison pour laquelle il a fixé cet objectif. Donc à la fin du mois de Ramadan, on espère en tout cas sortir vraiment sans aucun péché, parce qu'on aura appris à aimer Allah, à lui obéir, à éviter les désobéissances. Et comme tu l'as si bien dit, Ibn Qayyim, plutôt le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, il disait que le jeûne rassemble les trois formes de patience. C'est vraiment le mois de la patience, pas seulement parce que je n'ai pas mangé, c'est parce que d'ailleurs il y a un goût dans l'obéissance. Un goût malheureusement que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il se sentait le mieux, c'était dans le sujoud, dans la prière. Donc ici, tu n'as pas ce goût d'obéir à Allah. Il disait, il a écrit un livre, le Cheikh Ibn Qayyim, plutôt, on lui attribue un livre, qui s'appelle « La saveur de la prière ». Nous, on s'en débarrasse. Le jeûne, si on savait, on aurait aimé jeûner toute l'année. Ce n'est probablement pas un hadith, mais en tout cas, une parole belle, qui est le fait que quand tu sais qu'Allah ordonne une chose, c'est pour ton bien. Quand tu connais Allah, tu ne peux pas y voir du mal, même s'il y a de la réticence. Il y a ton âme qui n'aime pas se sevrer de ceci et cela, mais il y a forcément. Si Allah te donne l'obéissance, le goût de l'obéissance, tu as gagné. Et l'autre partie du sabre, c'est donc le fait de t'éloigner des interdits. Allah a interdit en Ramadan ou en dehors du Ramadan, il a interdit un certain nombre de choses. Tout ce qui est interdit en dehors du Ramadan est interdit pendant le Ramadan. Parce que souvent on dit, est-ce que pendant le Ramadan je peux faire ça? Est-ce que pendant le Ramadan je peux faire ça? Mais bien sûr, si tu pouvais le faire avant le Ramadan, tu peux le faire pendant le Ramadan, sauf ce qui va donc couper ton jeûne. Donc c'est l'abstinence du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. On va y rajouter d'autres choses comme le fait de vomir volontairement, etc., etc. Donc sinon, tout est permis. Mais tout ce qui était interdit pendant le Ramadan le sera pendant le mois de Ramadan. Et enfin, le sabre pour accepter ce qu'Allah a voulu, c'est que ton corps va être un peu plus affaibli parce que tu sens le besoin de manger, tu sens le besoin de boire, tu peux avoir des envies, ce qui est tout à fait légitime, mais justement, quelle est la beauté, l'intérêt, le mérite, c'est que tu vois de la nourriture, tu ne manges pas. Et pourtant, tu peux te cacher pour le faire, pour les enfants en particulier. Tu vois la boisson, tu as envie, mais tu ne le fais pas. Tu vois ton épouse ou ton époux, tu as envie
mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Et c'est ça. C'est ça ton mérite. C'est qu'Allah t'a donné la capacité, la force, donc de ne pas, de lui obéir et de supporter ce que tu aurais pu peut-être ne pas accepter, alors que là tu le fais parce que tu patientes par rapport aux conséquences de ce qu'Allah a décrété du jeûne. La question qui se pose, alhamdoulilah, on va rentrer dans le vif du sujet, on est pendant le mois du Ramadan, on va se projeter, inshallah ta'ala, qu'Allah nous fasse l'occasion de vivre ce mois. Quels sont les actes importants qui, pendant le Ramadan, qui nous rapprochent de notre Seigneur et qui nous permet de profiter pleinement des bénéfices de ce mois béni? Les actes qui nous rapprochent de notre Seigneur, ce sont les actes que le Seigneur aime. Et donc, c'est avant tout les obligations, notamment la prière à l'heure. Alhamdulillah, certains prennent des congés payés, certains prennent des congés sans solde. C'est avant tout ce que Allah aime le plus, c'est la prière à l'heure. Si tu peux la faire en plus à la mosquée et en groupe, tu auras vraiment beaucoup gagné. Ça, c'est déjà un des actes que tu devrais faire normalement, mais tu vois ce que Allah aime pas ce que toi tu aimes. Donc le jeûne, le Ramadan, c'est pas le mois où il faut faire la fête le soir, manger comme nous en parlera Arida, inchallah, et passer sa journée à dormir. Non, c'est essayer de t'accrocher à ce que Allah aime, et ce que Allah aime, en tout cas, parmi les actes, c'est le fait de servir les autres également, donc se mettre au service des autres. Mais pour toi-même déjà, c'est de faire les prières à l'heure, si possible, en tout cas pour les hommes à la mosquée. C'est également, comme c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran, c'est de revenir au Coran, voir peut-être et regretter tout ce à quoi tu n'as pas, à quoi tu as failli. Parce que le Coran, alhamdoulilah, ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan. Et le laisser poussiéreux sur l'étage en attendant le prochain mois de Ramadan, c'est vraiment de le lire matin, midi et soir si c'est possible, de le réciter, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il a été révélé pour être compris et pour être appliqué. Donc je dirais même pour nos sœurs qui seront indisposées ou celui qui ne jeûne pas parce qu'il est malade, etc., c'est l'occasion dans l'année de pouvoir le relire. Pour les sœurs bien sûr indisposées, c'est pouvoir le comprendre, puisqu'il est permis quand même que ce soit une traduction du sens des versets ou même en arabe, donc les explications des tafsirs, il est permis de lire des textes, des hadiths, de se cultiver, donc passer un maximum de temps avec le Coran, en compagnie du Coran. Ça, ce sont des choses donc, qui sont plus que conseillées, particulièrement pendant ce mois. Il ne s'agit pas de rentrer en course. Aussi, là, je le précise, il ne s'agit pas de rentrer en course pour finir le Coran en premier. J'ai fini 10 fois de lire le Coran, mais tu n'as pas compris. Le prophète sallam a interdit de lire le Coran en moins de 3 jours. Si je prends un mois moyen de 29 ou 30 jours, si tu l'as lu le Coran 10 fois, tu es content. Mais ce n'est pas ce qu'Allah aime. Ce qu'Allah aime, c'est que, comme l'a dit le prophète sallam, c'est ce qui dure même si c'est peu. À partir de là, tu vas découvrir, redécouvrir le Coran, redécouvrir la beauté et la plénitude que Allah nous a accordée au travers du Coran. Tu vas renouveler ton attachement à Allah au jour du jugement dernier, etc. Donc voilà certains actes, et aussi, surtout, pour ceux qui peuvent faire l'atikaf, par exemple. Donc ça, c'est plus que conseillé les 10 derniers jours pour chercher les lettres cadre, dans la mesure où c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc il y a tous les actes d'adoration que Allah nous a prescrits et qui se manifeste tous les mois, mais particulièrement pendant le mois de Ramadan, en y rajoutant ou en donnant plus d'intensité, donc à la présence dans la mosquée, à la présence à la lecture du Coran, à la veillée nocturne en récitant le Coran, et également se retirer les 10 dernières nuits si c'est possible, pour essayer d'augmenter encore plus, puisque le salaire réservé est payé à la fin du mois, et donc c'est la fin du mois qui est la plus importante parmi les nuits en tout cas. C'est vraiment le mois de l'adoration par excellence, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre aspect dont tu as si bien décrit tout à l'heure, c'est le comportement. Et c'est un mois, malheureusement, beaucoup jeunes, mais ne tirent pas grand-chose en fait, de leur jeûne. Et c'est, malheureusement, ils se retrouvent dans des situations où ils sortent de leur gond, ils se mettent en colère, ils s'énervent pour le moindre des soucis, alors que l'objectif pendant le mois de Ramadan, c'est que ce jeûne nous rende meilleur, il nous rende plus pieux que ce qu'on est dans la vie
quotidienne en dehors du Ramadan, même si c'est, le Ramadan est une occasion pour se rendre meilleur et continuer, mais on le verra tout à l'heure. Mais quel est le comportement adéquat vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des autres, pour que ce mois béni puisse nous profiter finalement? Je pense que c'est, comme le disait le philosophe, l'important c'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de lui. Si vraiment le mois de Ramadan t'est profitable, c'est que le papa, il est la maman, voilà, on avait des comportements avec les enfants, on doit être plus doux, avec les voisins, n'en parlons pas, avec les collègues, y compris avec les employés, si on est, si on est responsable. Entre guillemets, il y a, je sais que quelqu'un s'est fait faire de la publicité, qu'il y a 20 ans peut-être, quand il a demandé ou permis plutôt à ses employés de travailler jusqu'à 15 heures. On lui a fait de la publicité sur toutes les chaînes, mais il commençait à 4 heures du matin. Juste par miséricorde, entre guillemets, pour eux. Ce n'était pas un musulman. Il s'est fait de la publicité. Il est évident, wallah, ici les gens savaient que si on respectait notre religion, on serait encore plus productif. Si on avait, dans n'importe quel endroit, comme par exemple en Angleterre ou ailleurs, si on avait dans n'importe quel endroit, quand tu vas à l'université, n'importe où, tu vas trouver une mosquée, tu vas pouvoir prier, je suis sûr qu'on serait plus productif. Plutôt que de nous retrouver, nous, avec en train de te cacher dans une salle de bain ou sous l'escalier pour pouvoir prier. Si on est aidé, entre guillemets, je pense qu'on serait de meilleurs citoyens. Mais ça, c'était juste un clin d'œil. Mais par rapport à ta question, il faut être excellent. Allah aime l'excellence. Excellent avec les siens d'abord. Avec son mari, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses voisins. Et c'est malheureux, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une reconvertie qui me disait au travail, on me dit c'est quand la fin du Ramadan. Et pourtant, c'était déjà, c'était juste au début. J'ai dit pourquoi ? Parce que les gens, la nuit, ils ne dorment pas. On empêche les gens de dormir, qui vont se lever à 4 heures du matin pour aller travailler, etc. Nous, on fait la fête jusqu'au petit matin, en faisant du bruit et en empêchant les gens de dormir. Voilà, on mange jusqu'à, on fait du bruit jusqu'à, les quartiers dits populaires, ils sont réveillés, ou plutôt n'arrivent même pas à dormir. Et ça, bien entendu, ce n'est pas un bon comportement. Le prophète, alayhi salam, il a dit « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ». Il jure par Allah qu'il ne croit pas. Il ne croit pas 3 fois. On dit, mais qui donc? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méchancetés. Donc, comment tu veux que Allah... Il invoque Allah. Toi, tu as jeûné, tu as prié peut-être de Tarawih. Alors là, mieux vaut ne pas être dans une zone habitée. Voilà. Tu reviens, on entend, tu cries partout, tes enfants crient, etc., etc. Ça réveille les gens. Tu crois que ton adoration va être acceptée alors que tu es une source, yani, de mécontentement pour tes voisins? Certainement pas. Même s'ils ne sont pas musulmans, alhamdoulilah. Prie pour eux, mais surtout aie un bon comportement. Dis à tes enfants, baissez la voix. Et tu ne vas pas appeler je ne sais qui d'autre dans la rue, etc., etc. Donc il faut vraiment... Le Ramadan est un mois béni et les gens doivent être pressés. Malheureusement, ils sont pressés pour la faim et surtout pour les gâteaux. Pour que tu offres leur offre, là ils vont, j'espère, te pardonner et oublier tes méfaits. Mais le Ramadan doit être un mois où les gens doivent être encore plus contents, même les non-musulmans, du comportement des musulmans et pas. Donc quand tu vas te fâcher, tu vas divorcer avec ta femme à cause d'une soupe qui n'est pas salée, ou tu vas insulter quelqu'un parce que, mais écoute, ne m'embête pas parce qu'on est... Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire que j'aime beaucoup et qui était dans le tramway. Et voilà, il y avait des contrôleurs. Il y avait des contrôleurs, tramway à côté de Purpan, pour ceux qui connaissent Toulouse. Et voilà, il y a une contrôleuse qui se rapproche de quelqu'un qui gênait, qui lui dit le ticket. Il lui dit, ne m'énerve pas, je suis en train de gêner. Parce que tu es en train de gêner, tu voles le tramway qui ne t'appartient pas, et tu veux qu'Allah accepte. Et en plus, attention, ne m'énerve pas parce que c'est toi qui m'énerve. Mais si tu ne veux pas être énervé, paye le droit du tramway ou paye le droit de l'autre. Et donc voilà des choses qui donnent de mauvaises images des musulmans, malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas le jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Et donc on est là, on jure, on fait de faux témoignages, on trafique, on ment, et ensuite on vient, on mange. Allahumma taqabbal, voilà. Et tu es content d'avoir rompu ton jeûne. Il se peut qu'Allah n'ait pas accepté ton jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certains ne gagnent de leur jeûne que la soif et la faim. Ils perdent quelques kilos,
la soif et la faim. Et tu n'as rien de leur nuit que la fatigue. Parce que c'est pas ce que Allah t'a dit, la'allakum tattaqoun, comme tu le rappelais, verset 183, la sourate al-Baqara, afin que vous atteigniez la piété. La piété, ce n'est pas le fait d'embêter les autres. La piété, ce n'est pas d'être un poids pour les autres. La piété, c'est vraiment l'obéissance à Allah. Et inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses et le fait de donner aux proches. Donc voilà l'esprit du jeûne, wallahu a'lam. Ça, vraiment très important, ce comportement excellent à avoir pendant le ramadan, surtout pendant le mois du ramadan, c'est vraiment important. Là où je vous souhaitais en fait un peu rebondir, c'est sur l'aspect d'union, de partage, qui est vraiment très important pendant le ramadan. Si tu pouvais, ce n'est pas seulement une adoration individuelle, le jeûne, et surtout les veillées effectivement nocturnes. L'idée, c'est qu'on ait un mois, on est dans la solidarité, dans le partage, dans l'entraide, et sûr qu'on se retrouve, qu'on soit heureux, content, qu'on ait tous le même objectif, celui de l'atteinte de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est une très bonne question, une bonne remarque plutôt, parce que c'est une vérité. Effectivement, là on sent une solidarité, on dit en France, ce qui me désespère pas, mais qui me choque, on dit que 70% des musulmans avouent ne pas faire la prière à l'heure, même pas faire la prière. Les autres, Allahu A'lam, les 30% s'ils la font à l'heure, mais 70% des musulmans tiennent au ramadan, ils le font. Donc c'est un esprit communautaire, dans le bon sens du terme. Et donc on s'abstient tous du manger, du boire, etc. Le soir, généralement, c'est en famille, parce que ça, on le sait. Le ramadan, c'est un mois où on vit en famille, et on coupe tous le jeûne ensemble, et on vit les mêmes choses, on est conscient qu'il y a toute une communauté, des millions, voire des milliards de gens, qui s'obtient du manger du bois par croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Mais pendant le ramadan, il était encore plus généreux. Abdallah ibn Abbas, ainsi que son père, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Mais pendant le mois de ramadan, il était plus généreux que le vent, on dira aujourd'hui, si on parle de la météo, qui fusionne les nuages pour donner la pluie. Le prophète sallam était encore plus généreux quand l'ange Gabriel venait le voir pour réviser le Coran. Et il précise, il venait chaque soir pour le faire réviser le Coran. Voilà. Donc il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et la générosité ne s'est pas forcément dépassée des millions. La générosité, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui donne à manger à un jeûneur, il a la récompense du jeûne, du jeûneur, sans rien amoindrir au jeûne, à la récompense de celui qui a jeûné. Donc c'est donner quelques dattes, donner une soupe, donner un plat bien sûr. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il serait bon de partager avec le voisin, de partager avec celui que tu connais, de partager avec celui que tu ne connais pas. C'est l'amour. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Et je vous assure que c'est vrai. C'est malheureusement, on fait des cadeaux que parce qu'on est intéressé, mais là c'est... Il a dit, vous n'entrerez au paradis qu'à condition d'être croyant, on n'en doute pas. Et vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer, a dit le prophète. Donc nos mosquées doivent être des endroits où on s'aime. L'extérieur doit être des endroits où on s'aime. Si ce n'est pas le cas, il a dit, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'allez pas vous aimer. Et le minimum qu'il nous a donné, est-ce que ne vous indiquerai-je donc pas une chose, si vous la faites, vous allez vous aimer? Ils ont dit, oui, bien sûr, il y a une bala et Rasulallah, il dit, passez-vous le salam. Donc quand tu vois quelqu'un que tu rencontres, à une face peut-être un peu moins lumineuse parce qu'il est fatigué, mais tu sais pourquoi. Voilà quelqu'un qui croit à ton Seigneur, voilà quelqu'un qui le manifeste par son obéissance. Comment tu ne peux pas aimer les gens que Allah aime? Voilà. Donc c'est vraiment une solidarité de tout temps, certes, mais surtout pendant le mois de Ramadan, et donc de partager le peu qu'on a, et c'est Allah seul qui est riche, donc de donner, et Allah est en compagnie, à l'aide, donc du serviteur tant qu'il est là pour aider donc les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, c'est vraiment très important de mettre en avant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les personnes ou les gens les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et il a dit également dans le même hadith, les meilleures actions, c'est celles où effectivement on rend un service à autrui. Et c'est il faut
prendre en considération cet élément-là pendant le mois de Ramadan, de façon générale dans notre vie, que ces actions effectivement de partage, c'est ça qui, c'est l'esprit même de l'islam, c'est celui de l'unité, de l'union et de la communauté, effectivement d'être travaillé ensemble et maximiser cet aspect de fraternité. Et il faut que ce mois de Ramadan soit une occasion de nous rapprocher de nos sœurs et de nos frères. Il suffit d'apporter un sourire, effectivement, comme tu as dit, barakallahu fik, comme a dit le prophète Hassan dans ce hadith d'ailleurs, la meilleure des actions, c'est de conjurer la faim de son frère, et même apporter un sourire. Et c'est, parfois, on voit, il y a des conflits, des bagarres, parfois pour des bêtises, pour des broutilles, pendant le Ramadan, alors que ce n'est pas l'occasion, enfin, ce n'est pas du tout le moment de le faire. Et c'est important, barakallahu fik, en parlant effectivement de partage, quels sont les occasions, comment dire, les actes de générosité importants à la fois pendant le Ramadan, mais qu'on peut faire de façon générale, parce que la générosité, on la ressent, parfois on se sent obligé parce qu'on dit c'est le Ramadan, il faut le faire. Est-ce que tu peux, je sors un peu de ce cadre, mais c'est important que les gens sachent que l'importance de la générosité vis-à-vis des autres, et pas seulement vis-à-vis de son frère musulman, mais de façon générale, même vis-à-vis des humains et même des bêtes, effectivement, ou des tous ceux où Allah subhanahu wa ta'ala a mis une âme. Barakallahu fik. Allah est barifique, si Mohammed. La générosité, Allah est généreux. Allah est généreux, il aime les gens qui sont généreux et c'est lui qui nous inspire tout bien. Et donc la générosité de façon générale est une vertu. Alhamdulillah, les Arabes étaient généreux. J'espère que ce qui reste dans cette communauté, entre autres, que moi j'admire, c'est que malgré beaucoup de nos défauts, les gens sont encore généreux. Généreux, c'est le service, c'est donner. Ce qui t'a été confié, ça va t'être repris de toute façon. Un jour ou l'autre, tu vas perdre ce qu'Allah t'a perdu. Allah va te reprendre ce qu'il t'a donné. Donc les meilleurs, c'est ceux qui donnent. Le prophète dit que la générosité n'a jamais diminué le mal. Une sadaqa n'a jamais diminué le mal de le bien, il y en a plutôt, de qui que ce soit. Donc ce que tu donnes, c'est ce que tu as gagné. Et c'est connu, le prophète sallam, il a donné, il allait jusqu'à emprunter pour donner aux gens. Donc donner, c'est vraiment signe d'amour. Donner, c'est signe de croyance au jour du jugement dernier. Parce que celui qui a fait le bien, du poids d'un atome le verra. Et par conséquent, il faut aider les autres. Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan, mais c'est de tout point de vue, comme tu l'as si bien rappelé, ce que Allah aime le plus, c'est ceux qui sont au service des autres. Et la meilleure sadaqa, a dit le prophète, c'est de donner de l'eau, par exemple. De donner de l'eau, ça peut être dans les mosquées, ça peut être à un jeûneur, ça peut être même à un chien ou à une chienne. Mmh. Le cas, peut-être à ça que tu fais allusion. Allah a éprouvé une prostituée en plein désert et elle avait soif, elle mourait de soif. Et il a mis sur sa route, et tout bien vient de lui, un puits, elle est descendue, elle a bu, elle est remontée, Allah l'a éprouvée par une chienne qui mourait de soif. Elle s'est dit, Allah me voit. Allah m'a fait miséricorde, cette chienne elle doit souffrir autant que moi. Et elle est descendue à la force de ses bras et mettre une chaussure entre ses dents et remonter de l'eau, donner à la chienne et redescendre autant de fois qu'il fallait jusqu'à ce que la chienne fût désaltérée. Et à cause de ça, Allah lui a pardonné. Donc on n'est pas là, non, ça c'est pas mon frère, non, ça c'est pas ceci, non, je le donne à mon frère. Non, ce n'est pas, Allah t'éprouve par n'importe quelle personne qui est éprouvée. Donc Allah te met, Allah cherche, plutôt, il te veut du bien et il met sur ta route des gens pour que tu fasses du bien. Et qu'Allah bénisse un frère, barakallahu fi, qui il y a deux jours m'a dit une chose qui m'a vraiment frappé, que j'aimerais bien partager avec ceux qui sont présents aujourd'hui ici dans la mosquée et également ceux qui ne sont pas là, qui sont au bout du monde. Le frère, j'ai trouvé que sur la table, il avait arrangé des choses dans le bureau de l'imam, il avait mis des stylos et tout le reste. Et j'ai dit, mais tu fais tout ça? Il avait changé les piles. Et je lui ai dit, il se reconnaîtra peut-être s'il suit ce live. Et je lui ai dit, mais tu fais tout ça? Il me dit, mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Wallah, j'ai tellement aimé. D'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Mais eh bien, il faut bien que je le fasse, hein, sinon qui va le faire? Voilà notre réflexe. Il faut que je le fasse, mais je m'en débarrasse. Hein, mais puisqu'il faut le faire, il faut nettoyer, je vais le nettoyer. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, je pense que ça vient d'Allah, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est-à-dire que, mon frère, ma soeur, si tu passes à côté d'une occasion, tu viens de perdre une occasion. Parce qu'Allah va le permettre à quelqu'un d'autre de le faire. C'est pour cela que la générosité, Allah t'offre la possibilité d'aider quelqu'un. Pas parce que tu es mieux.
Allah t'offre la possibilité de, d'apporter ta pierre donc à l'édifice, de financer une mosquée, de financer du bien, de donner de l'eau, de, d'aider une personne qui est handicapée ou une personne handicapée d'une, ou une personne qui est éprouvée, soit par la fatigue, soit par la maladie, etc. Mais si tu passes à côté, certainement tu as perdu une occasion. Quelqu'un d'autre va le faire. Allah va recruter quelqu'un pour le faire à ta place. Parce qu'il te l'a proposé et tu ne l'as pas fait. Et ça, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, cet incident, qui n'est pas un incident. Et ça m'a enseigné quelque chose, c'est que, effectivement, si tu ne le fais pas, et comme l'a dit quelqu'un d'autre, les cimetières sont remplis de gens importants ou indispensables. Tu ne penses pas que si je le fais pas, personne ne va le faire. Non, c'est le contraire. Si je ne le fais pas, Allah va recruter, comme il le dit d'ailleurs dans un des versets, yani, si vous n'êtes pas sincère, Allah va faire venir un peuple yani, qui sera meilleur que vous et qui ne sera pas désobéissant. Donc chaque fois que tu as l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais tu l'as fait pour toi-même. Tu as investi. Et donc il ne faut pas passer à côté des choses, même simples. Et il faudrait être généreux de sa personne, de son temps, de son bien. Et il se peut que, alhamdoulilah, après le ramadan, tu sois quelqu'un de généreux qui fait partie, bien entendu, de la piété. En tout cas, il a été inspiré. Ça fait référence, en tout cas, au verset « وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ » C'est vraiment important de courir et surtout cette compétition qui va arriver à accomplir le bien. Et Allah commence par quoi ?« وَسَارِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » Ce soit la sourate 3, verset 133, et on dit « وَيْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ » Donc on parle vraiment que le paradis a été préparé pour qui ? Pour les pieux. Qu'est-ce qu'il dit ? Alladina, il commence par quoi ? Alladina yunfiquna fi sarra'i wal-kadhimina al-ghayz wa afina an-nas. Ceux qui dépensent dans la quand ils en ont ou quand ils n'en ont pas. La meilleure dépense, c'est celle que l'on fait alors qu'on en a besoin et qu'on craint la pauvreté, a dit le professeur. Parce que si tu donnes, c'est que tu comptes sur Allah. Et tu donnes, tu sais que Allah va te donner beaucoup plus. Et ça, c'est des tests pour la foi. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut, c'est pas parce que je suis en train de jeûner que je vais être nerveux, que je vais. Le Prophète, dans ce hadith par lequel on a commencé d'Abu Huraira, si quelqu'un te veut du mal, si quelqu'un te dispute, si quelqu'un te provoque, dis, inni sa'im, je jeûne. Je ne vais pas rendre l'appareil. Donc je dois me maîtriser. Je dois maîtriser mon âme. Même si je peux le faire, je dois maîtriser mon âme parce que le jeûne est là pour éduquer l'âme. Et c'est pour cela peut-être que le professeur m'a dit aux jeunes gens, celui qui peut se marier, qu'il se marie, s'il ne peut pas, qu'il jeûne. Parce que le jeûne est là pour être plus prompt pour maîtriser son âme et ne pas tomber dans ce qu'Allah n'aime pas. Allahu Akbar. Effectivement. C'est vraiment important de pardonner à son frère et surtout au mois de Ramadan parce qu'on voit malheureusement certaines scènes qu'Allah nous préserve et préserve les frères, surtout beaucoup dans les mosquées. Et c'est important d'avoir le pardon, le kadhimin al-ghayd, comme tu as dit, ceux qui répriment leur colère et qui ne la font pas apparaître et qui pardonnent aux gens. Et ça fait partie effectivement des excellents. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de cela, le musari'in wa sari'u la maghfiratin rabbikum, qu'on fasse partie de cette catégorie-là, qui fasse partie de la catégorie des gens pieux. Là, alhamd, pour qu'on laisse effectivement l'occasion de passer à la partie dédiée à la nutrition, j'ai une dernière question. C'est comment profiter du ramadan comme étant un tremplin ou un nouveau départ plutôt qu'une fin, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, ils font le ramadan, après le ramadan, ça y est, c'est fini, terminé, les mosquées se vident, les gens, ils reviennent effectivement, comme disent les arabes, adat halima ila adati al-qadima, c'est à chaque fois, voilà, on a des habitudes, on essaye de se réformer, d'être meilleur pendant le ramadan, dès que le ramadan est parti, ça y est, c'est fini, on revient à nos mauvaises et vieilles habitudes. Alhamdulillah, si le ramadan est réussi, c'est qu'on a changé en mieux. Parce que le but, c'est d'atteindre la piété. Et la piété, si elle a été atteinte, et Allah est reconnaissant. Il est reconnaissant, ça veut dire, Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde, il dit qu'on ne peut pas adorer Allah et qu'Allah l'ait accepté sans te récompenser, dans ce bon monde déjà. Et la récompense de la bonne action, c'est une bonne action. C'est que quand tu regrettes que le ramadan soit parti,
le Ramadan a été une école. Et donc, à ce moment, tu continues à faire du bien. Et là, tu as presque une nostalgie de tes prières nocturnes, donc le Tarawih ensemble, de tes prières à l'heure, si possible à la mosquée, etc. etc. Donc, ce n'est pas des, on n'est pas des saisonniers. Une fois tous les 12 mois, voilà, on va s'abstenir, on va se séparer de sa copine, on va se séparer de son copain, on va arrêter de vendre ceci et cela, on va arrêter des interdits. Mais justement, c'est une preuve contre toi, mon frère. C'est une preuve contre toi. Allah t'a montré que pendant 29 jours, voire 30, et pour les alcooliques, qui est faible pour la bouteille, ils arrêtent 40 jours avant. 40 plus 30, 70 jours. Tu n'as pas goûté à l'alcool. Mais ça veut dire que tu peux t'en passer. Non, mais écoute, Allah, je n'arrive pas à arrêter. Tu es arrêté pendant 40 jours. Tu es arrêté pendant 30 jours, 70 jours. Et demain, tu viendras me dire, non, mais moi, je peux pas m'en passer. C'est pas vrai. Tu fumes. Et l'avis le plus fort des musulmans, non musulmans, c'est que c'est interdit. Tu arrives pendant 16 heures, peut-être un peu moins, un peu plus, à ne pas fumer. C'est que Allah te montre que tu es capable. Tu es capable de ne pas le faire. Tu es même capable de ne pas manger. Tu es même capable de ne pas boire, alors qu'on sait que c'est indispensable. Comment tu ne peux pas te passer de ces mauvaises habitudes? Allah recrute des témoins contre toi-même. Pendant le mois, pendant la journée, je ne faisais pas. Pendant la nuit, j'arrivais à vivifier la nuit. Donc si après cela, tu es reparti, c'est même pas la fin du Ramadan, si on veut. C'est même pas, ils n'attendent pas de l'Aïd. D'habitude, c'est à partir du 27. Voilà. Pourquoi Allah a mis le salaire à la fin du mois? Le Lailatul Qadr, on est tous sûrs que c'est dans la dernière partie. Justement pour que tu t'évertues et que tu vois et que tu cherches. Une fois, tu n'es pas encore au paradis. Si Allah t'a accordé cela, tu dois être encore plus heureux et t'inscrire dans la durée. Ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu, comme l'a dit le professeur Salam. Donc ne demande pas à l'imam, est-ce qu'Allah a accepté mon jeûne? Vois-toi-même, est-ce que ton comportement était meilleur avant le Ramadan? Si ton comportement était meilleur avant le Ramadan, c'est qu'Allah a accepté. Comme j'ai dit, il est reconnaissant. Il va te récompenser ici-bas avant l'au-delà. Tu vas avoir plus de goût à adorer Allah, c'est pourquoi tu as été créé. Si ce n'est pas le cas, il reste encore à jeûner les 6 jours de Shawwal et ensuite à jeûner un peu plus puisque tu n'es pas arrivé au bout. Alhamdoulilah. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, je vais laisser la parole au frère Reda parce que le temps court très vite. On ne voit pas le temps passer. Absolument, on a déjà 22 heures. Jazakallah. Barakallahu fik. Alhamdoulilah. Du coup, le frère Reda, Jazakallahu khairan, qu'Allah le récompense par le meilleur. Ce n'est pas la première fois qu'il nous accompagne effectivement pendant les lives. Alhamdoulilah, effectivement, je laisse le frère Reda, qu'Allah le facilite et le bénisse, nous introduire, faire une petite introduction concernant le Ramadan, inchallah ta'ala, et les aspects santé et nutrition, avant qu'on passe aux questions et aller un petit peu davantage sur tous les aspects liés à ce mois de jeûne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallimu wa barik ala Sayyidina Muhammad, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Cheikh Barakallahu Fik, pour ces paroles qui font vraiment chaud au cœur et qui bien sûr nous poussent à méditer sur l'approche du Ramadan et à se préparer mentalement et physiquement. Alors moi, je vais essayer d'aborder la partie un peu médicale, mais en réalité qui va que confirmer ce que vient de dire Cheikh, parce que en l'écoutant, j'aurais dû noter les choses pour donner le pendant. Là, il y a une étude qui me vient comme ça en tête sur la générosité. Il y a une étude scientifique qui a été faite. Ils ont pris deux groupes de personnes, ils ont distribué de l'argent aux deux groupes, ils ont demandé à un groupe de les dépenser comme ils veulent et aux autres de les donner à des gens qui en ont besoin, à des associations, etc. Et une fois qu'ils ont tous donné la somme d'argent qu'on leur a confiée, on leur a fait passer des tests psychométriques pour savoir un petit peu l'effet que ça fait de donner. Et bien, ils ont trouvé que les gens qui ont donné, ils avaient plus de plaisir que les gens qui ont dépensé pour eux. Ça, c'est une étude scientifique, hein, qui a été faite. Je peux vous donner les références si vous voulez.
Et j'ouvre une parenthèse, les femmes sont plus généreuses que les hommes. Donc les hommes, ça c'est la confirmation de l'étude. Hein. Donc on a des efforts à faire là-dessus. Après, j'ai envie de dire que... Bon, moi je suis comportementaliste de formation et de pratique. Je suis spécialiste en médecine du sommeil. Je suis nutritionniste et médecin du sport. Je m'arrête là parce que c'est sur ces sujets-là que je vais essayer de parler. Le plus difficile en médecine, c'est changer de comportement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de routine qui fait qu'on ne peut pas s'en passer. Puis avec le stress, avec pas mal de choses, on a du mal à changer de comportement. Et pour nous, on a une opportunité extraordinaire pour ce mois de Ramadan, justement de changer de comportement sur lequel le Cheikh a insisté tout à l'heure. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un changement social, il y a un changement familial, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc il faut profiter de ce mois où il y a beaucoup de choses qui changent pour changer justement. Et changer sur 2-3 jours, c'est faisable, mais vite on revient vers les vieilles habitudes. Par contre, quand on pratique réellement des choses sur une longue durée, et ben, on arrive à mieux changer de comportement. Un autre point que je voulais aborder sur le jeûne, aujourd'hui on parle beaucoup de jeûne thérapeutique ou de jeûne intermittent pour les maladies cancéreuses, pour plein de choses. Nous on a le jeûne qui existe et qui nous permet donc non seulement de travailler la partie mentale et la partie spirituelle, mais aussi de travailler la partie corporelle. Donc là, il y a plein de recommandations à faire. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou bien j'attends les questions. Alors, hein, je ne sais pas si. Alors, par exemple, pour l'alimentation, je mets les grandes bases. Après, je répondrai aux questions. S'il y a des questions, bien sûr. Déjà, un point qui est très important, il n'y a aucune maladie, je dis bien, il n'y a aucune maladie qui contre-indique le jeûne, y compris le diabète et le jeûne, et l'hypertension. La seule chose qui peut contre-indiquer le jeûne, c'est la santé du malade et son type de traitement. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un qui a une hypertension, qui a juste un médicament à prendre par jour, ça pose aucun problème, parce que même s'il prend le matin, il peut inverser, il prend le soir, ça fait 24 heures, ça pose aucun problème. En revanche, quelqu'un qui est hypertendu et qui prend 3 médicaments, hein, le midi, le matin et le soir, là, c'est très compliqué, parce que s'il prend tout le soir, bah, il va se mettre en hypotension, et le matin, il est en hypertension. Donc lui, c'est contre-indiqué. Et je peux donner plein d'exemples comme ça. Donc la meilleure chose, enfin, déjà, c'est tous les diabètes et toutes les hypertensions et toutes les maladies chroniques sont spécifiques, sont personnelles. S'il n'y a pas de cas général ou de, on peut pas dire tous les diabétiques ne jeûnent pas ou tous les hypertendus ne jeûnent pas. Donc là, c'est le médecin de famille, le médecin traitant, qui pourrait apporter son éclairage là-dessus pour dire à la personne si elle est en mesure de jeûner ou pas. Bon, j'ai parlé du diabète, d'hypertension, mais on peut parler plein d'autres situations. J'ai une question. Comment, tu as parlé des bénéfices, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage ? Parce qu'il y a le hadith du prophète qui est faible, malheureusement, son mutasahhih, qui n'est pas authentique, qui est faible, mais il y a quand même, tout de même, beaucoup, beaucoup d'avantages en fait, aux jeunes. Tu pouvais nous en parler un petit peu plus parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas quels sont les bénéfices par rapport au corps et à la santé de pratiquer le jeûne. Alors déjà, bon, le hadith, je ne sais pas s'il est certainement faible, mais il y a quand même un verset du Coran, wa in tasumu fa huwa khayrun lakum. Ça veut dire qu'il vient pour insister de l'intérêt du jeûne. Le jeûne est important parce que notre consommation fait que on est tout le temps en train de manger. Donc notre corps, il ne se repose pas. Et pendant le mois de Ramadan, ben c'est le moment de laisser un peu le temps à l'estomac, au foie, à tout le tube digestif de se reposer. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est que
on le voit, aujourd'hui l'obésité elle fait ravage, parce qu'on a une consommation alimentaire qui est industrielle, qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas bio, si on peut parler de bio, pas au sens commercial du terme, hein, je m'entends. Mais cette alimentation, toute cette... on appelle ça les junkie food, c'est les ou food junkie, et c'est quelque chose qu'on va stocker, qui va rester dans le corps sous forme de graisse. Et cette graisse, elle va entraîner l'obésité forcément, et elle est à l'origine des maladies métaboliques comme le diabète et comme d'autres maladies, le cholestérol, etc. Donc au final, le jeûne, il vient un peu pour nous purifier sur un plan corporel. Alors, bien sûr, la partie spirituelle est super importante, mais comme quoi il n'y a pas de contre-indication entre la science et la religion. C'est quelque chose qui est totalement en accord. Donc ça, c'est important. Il y a un autre exemple sur lequel j'ai longtemps réfléchi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il insiste beaucoup sur le suhur. Ben figurez-vous, c'est le repas le plus important. Il est plus important que celui de la rupture du jeûne. Et c'est pour ça qu'il n'insiste pas sur le repas du jeûne, de la rupture du jeûne, mais il parle de ne serait-ce qu'une date, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est ce repas qui va nous permettre de tenir la journée. Donc c'est là où il faut accorder de l'importance. Et le repas du soir, c'est plus les légumes, c'est plus les féculents, c'est plus une soupe, pour s'hydrater, bien sûr, et puis avoir une activité spirituelle, parce que quand on a le ventre plein, on a tendance à dormir, et ça ne le fait pas. Et puis, tout ce qui est sucré, ce n'est pas bon, parce qu'on annule l'effet du jeûne. Quand on jeûne une journée, et que le soir, ben, on va boire des boissons que je ne vais pas nommer, mais que vous connaissez tous, ou des sucreries ou des pâtisseries, ben vous annulez l'effet médical du jeûne. Et je vous invite à lire un livre que j'ai déjà évoqué ici, sur les lois de l'obésité, écrit par le docteur... Ah, j'ai oublié son nom, mais bon, bref. Ben, il parle justement du jeûne des musulmans, et il le dit clairement, il le dit, voilà, les musulmans jeûnent le mois de Ramadan, mais que leur jeûne est complètement annulé par le repas du soir, parce qu'il est hypercalorique. Et le but du jeûne, c'est pas de rattraper ce qu'on a perdu dans la journée, non, c'est de vider le surplus qu'on a accumulé toute l'année. C'est ça l'intérêt du jeûne. Donc, et puis le repas du suhur, il faut qu'il soit conséquent. Alors attention, quand je dis conséquent, pas de produits sucrés, les sucres rapides surtout et les sucres raffinés. Plutôt privilégier des repas salés. Alors salé, pas mettez du sel, hein, c'est, je veux dire... des féculents, alors les féculents, c'est le riz, les pâtes, la pomme de terre, etc. Si possible, al dente, c'est-à-dire la cuisson la plus faible possible, pour que les sucres ne soient pas très forts, et ça permet de bien tenir dans la journée. Après, l'activité physique, elle est importante, parce que le sport, c'est la santé. Donc ceux qui font du sport, il faut qu'ils continuent à faire de l'activité physique, mais il faut l'adapter au contexte. Alors, l'idéal, c'est de la faire plutôt avant la rupture, parce que ça permet, en suivant, de bien s'hydrater et de récupérer. Mais bon, il y a ceux qui sont habitués à faire le matin, s'ils ont un bon petit déjeuner et ils veulent démarrer la journée, ça va leur permettre justement d'avoir un bon réveil et de commencer une activité professionnelle efficace et performante. Parce que, comme il l'a dit très bien Shir, même si je suis médecin du sommeil, le mois du Ramadan, ce n'est pas forcément dormir. C'est bien sûr investir son temps pour profiter de cet espace-temps qui nous est dédié et qui nous permet justement de tirer profit à tous les niveaux. Et alors le sommeil, si je peux aussi aborder la partie sommeil, parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Alors il y a plusieurs recommandations. On peut recommander par exemple des siestes, mais il ne faut pas que les siestes soient trop longues, parce que sinon, après, ça peut empiéter sur le sommeil de la nuit. Mais malgré tout, il faut dormir, parce que si on ne dort pas, on ne peut pas tenir. Et puis, le fait de ne pas bien dormir, ça peut nous rendre aussi irritables.
et ça peut contribuer en plus à l'énervement que Cheikh tout à l'heure il a dit. Donc, alors il y a des techniques, il y a comme les navigateurs en solo, ils ont un sommeil phasique, hein. Ils dorment par période et puis ils se réveillent, donc ça peut être aussi, mais c'est au cas par cas, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après je vais trop monopoliser la parole et c'est pas l'objectif. Pour en profiter, effectivement, surtout tu parles de sieste, il faut éviter ceux qui dorment toute la journée, se réveillent juste avant le maghrib, et alhamdoulilah. L'idée, c'est de profiter de la journée comme profiter du soir aussi. Et c'est important, les petites, c'est vraiment des petites siestes parce que quand elles sont longues, comme tu as dit, qu'Allah fait qu'on est irrité. Du coup, c'est oui, vas-y, barakallahu fik. Je voulais juste rapporter un truc parce que ça, c'est des choses que je vois au quotidien, dans ma pratique courante et quotidienne. Attention aux écrans, même si aujourd'hui on est un peu addict à ces écrans, il faut faire vraiment très attention aux écrans, surtout avant d'aller au lit. Donc ça, c'est important, parce que la lumière bleue, elle va fragmenter le sommeil et elle va le rendre de mauvaise qualité. Ça, c'est le premier point. Après, le contenu aussi, peut-être anxiogène, puis l'attention qu'on va porter au film ou au jeu qu'on fait, ça peut effectivement exciter les centres de l'éveil et fragmenter ce sommeil. Donc ça, c'est important. Et je voulais ouvrir une parenthèse, mais qui n'a peut-être pas beaucoup d'incidence là-dessus. Surtout pour les enfants, si vous avez des enfants qui ont des écrans qui sont cassés, il faut leur changer les écrans. Parce qu'il y a un produit qui s'appelle le cadmium, qui est un perturbateur endocrinien et qui se transmet par la peau. Donc il peut provoquer des problèmes de puberté chez les enfants. Donc ça, c'est une parenthèse, bon, en dehors du contexte, mais il fallait le dire parce que c'est quand même important. Et puis c'est des objets aujourd'hui qu'on utilise de façon courante et il faut pas, il faut insister là-dessus. Barakallahu fik. Bon, je m'arrête parce que... Non, alhamdoulilah, par rapport au repas, effectivement, tu as parlé tout à l'heure du fauteuil et sahur, qui sont importants, deux repas importants. Est-ce qu'on maintient les trois repas, est-ce qu'on maintient les mêmes rythmes que la plupart ont, les trois repas par jour? Est-ce que c'est important ou intéressant d'avoir aussi ce rythme-là pendant le mois de Ramadan? Alors moi, j'ai tendance à dire non, parce qu'on doit manger, nous qawmoun la na'koulou hatta najoua, wa idha akanna la najba. C'est-à-dire qu'on doit s'écouter, il faut apprendre à s'écouter. J'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. L'histoire du petit déjeuner, du repas, du midi, du soir et tout, ça c'est des choses qu'on a héritées et qui font qu'aujourd'hui justement on est confronté à un problème d'obésité. C'est un problème mondial, hein, c'est pas qu'en France. Et il faut vraiment revenir aux sources. Donc je mange si j'ai faim, si j'ai pas faim, je suis pas obligé de manger. Et quand je mange, il faut que je mange lentement, que je mâche bien. Et que je marque des pauses pour savoir est-ce que je dois continuer ou pas. Moi, je vous donne juste un exemple qui va vous parler à tous. Est-ce que vous connaissez un animal qui vit dans la nature qui est obèse? Ça n'existe pas. Les seuls animaux obèses, c'est ceux qui vivent avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris à la manière humaine. Donc voilà, il faut revenir à l'fitra. L'fitra, c'est voilà, je mange si j'ai faim. J'ai pas faim, je m'arrête. Et quand je mange doucement. Bon, après, il y a la règle des tiers, hein, un tiers de solide, un tiers de liquide, et puis un tiers d'air. Barakallahu fik. Peut-être quand je parlais tout à l'heure, parce que ça dépend ce qu'on mange pendant l'iftar. Parce que soit on a le harira, le shorba et tout le reste, on mange beaucoup sucré, du coup on n'a pas faim. Mais quelqu'un qui souhaite avoir une alimentation équilibrée, de ne pas beaucoup manger pendant l'iftar, de profiter effectivement de la veillée de la nuit, et ensuite il se retrouve, à un moment il va avoir à manger une collation ou un repas. Quel est pour toi les repas types qu'une personne pourrait prendre et qui peuvent l'aider effectivement à maximiser sa performance pendant la nuit, et surtout éviter toutes les, comme tu as, dont tu as parlé tout à l'heure, tous les inconvénients de la surconsommation, consommation de sucre, etc. Et passer un bon ramadan avec une alimentation équilibrée qui nous aide aussi du point de vue spirituel. Alors, je voudrais quand même parler aussi d'un autre point qui est important. Souvent,
quand on démarre le ramadan, pendant 2-3 jours, on a des maux de tête. Alors ces maux de tête sont essentiellement dus à des gens qui sont un peu addicts au café, au tabac, etc. Mmh. Et ça ne sert à rien de prendre des doliprane parce que ce n'est pas des migraines. Voilà, c'est... Et vous, d'ailleurs, la plupart, au bout de 2-3 jours, ben, les maux de tête ils disparaissent parce qu'on a adopté un nouveau mode de vie alimentaire. Alors, pour répondre à ta question, la première mission après l'iftar, mm-hmm. c'est l'hydratation. Mm-hmm. Parce que l'hydratation, elle contribue aux maux de tête. Et comme on a passé toute une journée sans boire, il faut vraiment boire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les légumes. Parce que les légumes sont pleins de vitamines, d'oligo-éléments, et qui permettent justement d'aider le métabolisme à bien fonctionner. Mmh. Et enfin, les féculents. Les féculents, c'est des sucres lents, ce n'est pas des sucres rapides, pour pouvoir tenir, parce qu'il faut tenir. Bon, mais sur des quantités raisonnables. Et j'insiste beaucoup sur les quantités raisonnables, parce que quand on fait le plein, ben, on va avoir tendance à dormir. Et c'est pas très compatible avec la prière. Il faut rester alerte pour profiter pleinement de la méditation, de l'événement. Quoi. Du coup, là, on parle de l'iftar. Barakallahu fik d'en avoir effectivement parlé parce que la digestion prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on est très très fatigué après les repas. Quelqu'un qui souhaite dormir, par exemple après Tarawih, qu'est-ce qu'il pourrait manger qui va l'aider à passer une bonne nuit de sommeil et qui puisse avoir un sommeil récupérateur parce qu'il faut que se réveiller pour le fajr soit prêt. Est-ce que tu pouvais nous donner effectivement quels sont les aliments les plus intéressants du point de vue nutritif et qui apportent des bienfaits? Alors pour dormir, on n'a pas besoin justement de manger parce que si on mange, on va mobiliser le sang vers le tube digestif et ça va nous empêcher de dormir. En revanche, il y a une petite technique qui est pas mal que je vous conseille. C'est-à-dire que avant de dormir, vous prenez un petit verre de café et vous dormez. Et alors c'est paradoxal parce que le café, il excite, il empêche l'endormissement. Mais vous le prenez juste avant de dormir. C'est-à-dire vous le prenez, vous dormez, parce que le temps que le café fasse effet, vous êtes déjà en train de dormir. Ce qui va maximiser l'éveil au réveil. Donc ce qui fait que quand vous vous levez à 3h ou 4h du matin pour faire le qiyam et sobh, vous serez en super forme physique, mental, et vous pouvez même bien manger pour le suhoor, parce que parfois on est fatigué, bon, on va pas manger et tout. Donc ça permet d'avoir cette facilité de pouvoir et passer une bonne soirée spirituelle et diététique. Quoi. Effectivement, Cheikh aurait pu répondre effectivement à cette question, mais c'est pour vous deux, parce que malheureusement, pendant le mois du ramadan, c'est le moment où normalement on devrait consommer le moins. Mais quand on voit les statistiques, c'est un des mois où les musulmans consomment le plus. Et malheureusement, où ils dépensent le plus, mais où ils gaspillent le plus. Et alors que ce mois-là, c'est un mois d'abstinence. Et c'est vraiment très contradictoire quand je regarde les tables extrêmement fournies. Et au final, on ne mange pas grand-chose. Même si, effectivement, on mange très riche. Est-ce que... Quel est le conseil qu'on peut donner à nos sœurs et à nos frères vis-à-vis de ça? Parce qu'il y a c'est l'élément important, en tout cas le principe important, celui de l'équilibre. Ni l'excès, ni effectivement, ni peu, ni trop dans l'excès. Du coup, si tu pouvais, barakallahu fik, même Cheikh, inchallah, il va nous en parler, c'est vraiment très important. Et j'en profite aussi du frère Reda, barakallahu fik, qui pourrait effectivement ajouter d'autres précision là-dessus. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La question. Par rapport à l'excès, effectivement, parce qu'on parlait de ces excès alimentaires, parce qu'il y a l'aspect nutrition, effectivement, tous les méfaits, mais le problème, c'est le problème de gaspillage qu'on vit pendant ce mois-là, malheureusement. Justement, comme tu l'as dit, statistiquement, on le sait tous, hein, quand on prend les relevés de compte. C'est pendant le mois de Ramadan où on dépense le plus. Mais si, effectivement, on avait dépensé le Lailatul Qadr, on a dépensé les 10 dernières nuits ou pendant le mois, alhamdoulilah, on n'a pas à compter. Allah va nous récompenser de 10 voire 700 fois, voire plus. Malheureusement, ce n'est pas souvent ça, comme tu l'as si bien dit. Les tables sont garnies et quand on voit ce qui va à la poubelle, on mange beaucoup plus, on dépense beaucoup plus. Mais pourquoi? Pour nous-mêmes.
justement, alors que des orphelins, des pauvres, moi j'ai connu ici à Toulouse une famille, qu'Allah la bénisse, et qui rompait le jeûne avec du pain sec. C'était des étudiants qui sont venus du Sénégal, pour ne pas le nommer. Ils n'avaient pas de quoi rompre le jeûne. Et qui prenaient du pain sec et avec de l'eau. C'est avec ça qu'ils rompaient le jeûne. Vous imaginez donc ce qu'ils vont manger au matin. Ça ne dit rien. Au lieu de les chercher, au lieu de les aider, mais voilà, on a nos tables qui sont garnies et le matin, tout le reste va à la poubelle. Et comme Rida il a dit tout à l'heure, le matin, le sohour est très important. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos mères, à nos épouses? Tu sais qu'on a mangé le soir? Non, c'est pas. Non, moi je ne mange pas deux fois ça. C'est qu'Allah fasse miséricorde et nous reforme. Non, parce que moi, ma table, on va inviter les gens, très bien, mais on s'invite entre nous. Au lieu d'inviter les pauvres, il n'y a pas de baraka dans une table où il n'y a pas de pauvres. Nous, on s'invite entre nous, c'est pendant le ramadan où on s'invite le plus. Très bien. Mais qui tu invites? Tu invites les riches. Les riches s'invitent entre eux. Il n'y a pas de pauvres à la table. Et en plus de cela, donc le reste, tu vas le jeter. Parce que demain, il ne faut pas manger la même chose. Même le matin, il ne faut pas manger ce que tu as mangé le soir. Pourquoi? Parce que si on n'est quand même pas pauvre, alhamdulillah. Non, tu es pauvre. Ce qui t'a été confié, tu demandes à cette femme de se réveiller à 1h du matin si elle dort. Et je ne parle même pas de ce qu'on fait. Comme Rida l'a rappelé, le professeur il a dit, nous, on est un peuple qui ne mange que quand on a faim. Qu'est-ce qu'on va faire après le taraweh? Rarement, on arrive à dormir. Pas parce qu'on a faim, c'est parce qu'on commence à manger. On mange, ou alors on est dehors, en train de causer. Ce n'est ni le Coran, ni le dhikr, ni quoi que ce soit, en attendant presque le fajr. Ah, mais il est déjà 2h du matin, donc je vais veiller sur quoi? Les jeux vidéo, comme tu as dit tout à l'heure, la télé, il y a même les nuits de Ramadan, je pense que tout le monde voit à quoi je fais allusion. La télé spécialement, bon, on n'aime peut-être pas beaucoup de gens, mais alhamdoulilah, dans tous les magasins, il y a des promotions. Promotions spéciales Ramadan. Oui. Ah oui. Ils savent que c'est Ramadan. Pourquoi? Parce que ça paye. Oui. Parce qu'ils savent que les musulmans, on dit des millions. En France, si je prends ce cas-là, c'est des millions et des millions que les musulmans dépensent, alors que c'est peut-être la population la plus pauvre, entre guillemets, en tout cas fait partie des populations qui sont les plus pauvres. Encore une fois, si on dépensait dans autre chose, si on venait à l'aide aux mosquées, aux gens qui sont pauvres, etc., je dirais, très bien, félicitations. Allah, puisque ta main est toujours fermée, Allah a voulu qu'elle s'ouvre, tant mieux. Mais le problème, c'est que souvent, ce n'est pas le cas. Et les gaspilleurs, comme Allah l'a dit, sont les frères de Shaitan. Les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Oui. Et où on a eu l'argent, comment on va le dépenser, on sera interrogé dessus. Donc, profitons effectivement pour être généreux, mais généreux pas vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Nous, on est généreux vis-à-vis de nous-mêmes. Le proverbe dit bien, la générosité elle commence par soi-même. Non, la charité plutôt bien ordonnée commence par soi-même. Non, commence par rapport aux proches. Oui. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes importants, c'est ce qu'on donne. Une sadaqa que tu donnes à un proche, a dit le prophète sallam, est récompensée doublement. Le prophète sallam, on connaît le hadith, hein, il est parti, il a sacrifié, et il est revenu, il a dit, Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste? Elle dit, il ne nous reste que l'épaule. Et le prophète sallam lui a dit, tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule? Toi, tu fais que manger. Tu gardes tout pour toi-même, le reste, tu le jettes. Tu as vraiment perdu, tu n'as pas gagné grand-chose. Et donc, effectivement, il faut faire attention au gaspillage, dépenser, pourquoi pas, mais il faut dépenser dans le durable, pas dans ce que tu vas rentrer, et ensuite, tu ne donnes même pas à tes voisins, ici, c'est difficile, en tout cas en France, c'est difficile de trouver des voisins qui vont accepter ce que tu vas leur donner, ils risquent de le mettre à la poubelle, mais il y a des gens qui en ont besoin, dans les mosquées, dans les squats, partout. Et si tu n'en as pas, alhamdoulilah, dépense-le et allez ailleurs. Mais surtout, ne pense pas qu'à toi, parce qu'en pensant à toi, tu ne penses à pas grand-chose. Tu n'as pas dépensé. Quand Allah invite à dépenser, c'est pour les autres. C'est le meilleur chez Allah, c'est celui qui s'occupe des autres. Ce n'est pas celui qui s'occupe de soi-même. Allah est généreux, il n'a pas arrêté de dépenser depuis qu'il a créé. Et il aime les gens qui dépensent, mais bien sûr dans le bien. Dépenser pour venir aider les autres. Allah n'a pas besoin de nous. S'il nous donne quelque chose, il nous prête quelque chose, c'est pour voir comment on va le dépenser. Sinon, il n'a pas besoin de nous. Donc, je pense que c'est extrêmement important.
de profiter de ces nuits pour après le Tarawih. Ça, je le conseille, de ne pas rester en train de causer, de prendre du thé ou du café avec, ou de la soupe, avec je ne sais quoi, là, jusqu'au petit matin. Forcément, la journée, comme on est fatigué, la journée ne peut pas être très efficace. Et ah ouais, non, laisse-le, non, c'est le ramadan. Non, non, on va le... Il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Mais bien sûr, il dort, parce que c'est le ramadan. Non, le ramadan n'est pas synonyme de ça. Bien sûr, on pourrait probablement être très peu efficace, bon, parce qu'on est fatigué, etc., mais on fait des efforts supplémentaires, sinon ça n'a pas de mérite. Le ramadan n'est pas... Et surtout, je mets en garde mes frères, Allah, comme l'a dit le prophète Sam, n'accepte pas le jeûne de celui qui ne s'abstient pas de la tromperie et des... Et le mensonge. Un certain nombre de frères, je ne sais pas si les sœurs aussi le font, vont chez le médecin, c'est pas chez Reda, pour avoir un certificat de maladie. Pour être en congé ou pour être payé. Parce que c'est le ramadan. Moi, je veux profiter du ramadan, mais prends-le sur tes congés payés. Non, on va voir le médecin qui va te faire arrêt maladie pendant le ramadan. C'est pas sérieux. Je dis, comment c'est l'argent public, même c'est pas, c'est du mensonge. Le médecin est complice de ton mensonge. Il t'arrange. Fais-moi un certificat. Ou alors, j'ai besoin, ma grand-mère est malade de bled, fais-moi une ordonnance à mon nom. Comme les musulmans le font. Bien sûr, ce n'est pas pour donner du grain à moudre aux islamophobes, mais malheureusement, ça existe. Il y a des gens qui sont malades, donc fais-moi. Le médecin va te faire des ordonnances alors que tu n'as pas la maladie et tu vas chez le médecin. Et il va te faire l'ordonnance, tu vas à la pharmacie acheter et tu vas envoyer au bled. Mais tu donnes ce qui t'appartient. Tu ne donnes pas ce qui ne t'appartient pas. C'est du vol. C'est de la triche. C'est de la triche. J'ai entendu un imam qui a la réforme. Oui, ils nous ont colonisés, donc on peut bien en profiter. Non. Ils vont profiter de toi le jour du jugement dernier. Tu as menti, tu as triché, tu as pris l'argent de la sécu. Et la sécu, ça ne t'appartient pas. La sécu appartient à tout le monde. Et donc, le fait de mentir, de présenter quelque chose de faux, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Et il se peut que ton jeûne ne soit pas accepté dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faudrait qu'on mette tout ça, c'est un changement, comme il a dit Reda, c'est un changement de comportement. Si tu le faisais, ben je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je jeûne. Je veux me purifier. Tu peux purifier ton âme en trompant les autres. Non, on ne peut pas le faire. Donc le gaspillage est interdit dans l'islam, la tromperie aussi, et donc tout mauvais comportement est interdit dans l'islam, comme tout faux. Et donc, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait dit que nous fasse profiter. Moi, je veux, je sais que tu as beaucoup de questions, mais juste, je veux qu'on se fixe chacun un objectif. Que ce ramadan soit le meilleur ramadan. Il faut être ambitieux. Moi, j'aime bien le Firdaus. Je sais que les sœurs, mashallah, et les frères sur Facebook, Instagram, me font beaucoup de doigts. Qu'Allah les accepte. Voilà. Mais il faut être ambitieux. Le prophète a dit, le paradis à 100 degrés. Et si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Et donc, il faut qu'on soit ambitieux. Les ramadans passés, peut-être que ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien que le prochain ramadan, si Allah nous le fait vivre, il faut qu'on soit ambitieux. Je faisais ça, mais je vais redoubler d'efforts. Parce que si tu n'as pas de programme, comme je le dis souvent, c'est Shaitan qui te fait ton programme. Mais je m'ennuie. J'ai rien à faire. Non, c'est maintenant, même avant. Il faut préparer le ramadan. J'ai un programme. Peut-être que je ne vais pas le suivre. Je vais peut-être pouvoir faire, grâce à Allah, que 30% de mon programme. Mais si je n'ai pas de programme, j'en ferai peut-être 3% et encore. Il faut être ambitieux. J'ai un programme de telle heure à telle heure, tel jour. Voilà mon programme. Peut-être que tu vas arriver à 10% de ton programme. Et c'est beaucoup. Allah va multiplier peut-être pas 10, voire 700. Mais si tu n'as pas de programme, tu as passé ta journée à dormir, ta nuit à traîner dans les rues, et puis finalement, voilà. Donc c'est le souhour qui arrive. Les aléas du direct. Donc c'est le souhour qui va arriver. Et puis, alhamdoulilah, on va laisser la parole à Cheikh Mohammed. Alhamdoulilah. Barakallahu fik, Cheikh. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Je profite que tu aies le micro, Inch'Allah, pour répondre à quelques questions. Je commence par toi. Je voulais juste rajouter un truc. Je sais pas si... Il y a le son ? Il y a le son ? Moi, j'invite toutes les femmes à faire grève. Alors, je sais que ma femme, elle m'entend, donc je vais être le premier à être pénalisé pour les repas. Et le cuisiner au minimum, et ça permettrait de limiter la consommation. D'accord. Et comme je sais que les femmes, elles sont,
Je dirais simplement que moi, je ne suis pas pour les grèves. Voilà. Pas parce que je mange beaucoup, parce qu'avec l'âge, alhamdoulilah, je mange moins. Je dis simplement, je ne suis pas pour les grèves, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire que les hommes doivent éviter aux femmes de faire grève. C'est comme ça que je comprends le message. Voilà, parce qu'on est trop exigeant et que ce n'est pas utile. C'est pas utile. Je dis, parce que demain, Reda, il y a beaucoup de femmes qui risquent de venir te voir pour, parce qu'il y a eu divorce pendant le mois de Ramadan. Parce que les hommes, ils sont très exigeants. Voilà. Ils risquent, parce qu'ils sont nerveux, pendant le Ramadan, de divorcer. Et ensuite, après Ramadan, ils vont dire, non, j'étais énervé. Non, il faut te maîtriser. Et donc, Inch'Allah, on ne va pas dire que c'est notre live qui les a amenés. Il a amené aux femmes. Tu as entendu, hein, le docteur il a dit qu'il faut se mettre à faire grève. Voilà, déjà, bon, Alhamdulillah. On va passer, Inch'Allah, aux questions. Quand on en a plusieurs. La première question, peut-être, va te concerner, mais aussi concerne le docteur, Reda. Il dit, je ne peux jeûner pour des raisons de santé. Et cela impacte ma foi, que faire? C'est comme tu vois le jeûne. Moi, je dirais qu'on se complique la vie. Celui qui est malade, comme l'a dit le prophète, celui qui est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit, dit aux anges, de lui inscrire ce qu'il faisait quand il n'était pas malade. C'est presque à aimer la maladie, quoi. Tu jeûnes pas et tu as la même récompense. Non, je pense que c'est la façon de voir. De voir sa religion, c'est la façon de connaître Allah. Je pense qu'on ne le connaît pas, sinon on l'aurait aimé. Et donc quand on ne peut pas, Allah sait qu'on ne peut pas. Allah nous a éprouvés par ça, pour notre bien. Par conséquent, je pense qu'il faut profiter du Ramadan, il faut profiter d'autres choses. Ta foi, elle doit augmenter. Quand tu vois quelqu'un en train de faire du bien et tu l'envies, si tu ne peux pas jeûner, donne à manger à un jeûneur. Tu as la même récompense que le jeûneur. Et donc ce sont des choses, ce ne sont même pas des astuces. Ça prouve simplement que tu vas remercier Allah au fait de donner aux autres et que ta foi ne baisse pas pour cela. Au contraire. Au contraire, tu dois remercier Allah, tu dois profiter du manger pour faire des dhikr, tu dois profiter pour donner à manger aux autres. Personnellement, je pense que c'est notre façon de voir la vie et le jeûne. Et il y a beaucoup de nos sœurs, de nos grands, de nos aînés qui ne peuvent pas accepter le fait de ne pas jeûner. Parce que j'ai toujours jeûné. Même s'ils sont malades, même s'ils ont 10 médicaments à prendre, ils jeûnent. Non, c'est un suicide. Allah te permet de ne pas jeûner. Non, ils jeûnent parce que moi, j'ai jamais. Non, je ne peux pas. Mais je ne peux pas manger pendant le Ramadan. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours jeûné, parce que j'ai honte. Non, il n'y a pas à avoir honte. Allah t'a éprouvé. Ce par quoi il t'a éprouvé te permettra, inch'Allah, d'être pardonné. Et il y a les formes différentes d'adoration. Si tu ne jeûnes pas, tu peux faire autre chose. Donc profite-en pour le faire. C'est comme les sœurs qui sont indisposées, qui disent c'est dommage, ma foi baisse parce que je suis indisposé. Moi, je te dis non. Les formes d'adoration ne sont pas que la prière, ne sont pas que le jeûne. Tu t'instruis, tu fais du bien aux autres, mais ce sont des formes d'adoration. Allah veut juste que tu changes de forme d'adoration. Est-ce que c'est ce que Allah te donne? Comme Allah aime que tu l'adores, qui est important, ou ce que toi tu veux faire comme adoration. Peut-être que je reviendrai dessus, Inch'Allah, le mardi. Ibn Qayyim, rahmatullah ta'ala, il dit que quand on vient, tu finis la prière, ou tu fais l'atikaf, c'est arrivé à donc Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhu, il fait l'atikaf, il a dans la retraite spirituelle, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui s'est assis, qui était triste. Il a été le voir, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Il dit, parce que je suis endetté et je ne sais pas comment payer les dettes et je ne peux pas sortir de là sans payer les dettes. Il s'est levé, il a porté son dessus. Son par-dessus, il allait sortir. Et l'autre qui lui prend, qui dit, mais cousin du professeur Salam, tu es en train de faire l'atikaf, c'est-à-dire que tu ne dois pas sortir, sauf vraiment besoin. Il a dit, oui, je n'ai pas oublié. J'ai entendu le professeur sallallahu alayhi wa sallam dire, aider son frère, c'est mieux qu'un mois d'atikaf. C'est mieux qu'un mois d'atikaf. Allah t'a donné l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a un besoin. Je ne dis pas que tu es content qu'il ait des problèmes. Mais Allah t'a donné l'occasion de l'aider. Donc c'est un cadeau d'Allah. Saisis-le plutôt que non, moi je fais l'atikaf. Non, il ne faut pas sortir. Il faut lire le Coran. Il faut prier, etc. Mais tu as quelqu'un qui a besoin de toi. Je n'ai pas dit qu'il faut sortir pour aller aider les autres.
Tu as pris ta semaine, tu as pris tes 10 jours, tu as même pris un jour, peu importe, parce que moi je suis de l'avis que quand on peut faire même une petite chose, mieux vaut la faire plutôt que de vouloir tout faire. Tu travailles, tu n'as pu prendre que le week-end, faire atikaf pendant le week-end. Donc, tu n'as pas sortir et rester sur ton téléphone plutôt, au téléphone avec ta famille, avec je ne sais qui d'autre, non. Tu es venu, je ne dis pas de couper le téléphone, mais tu es venu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es consacré à ça. Mais tu vois quelqu'un qui a besoin absolument de ton aide. Je dis bien absolument. Il a besoin de ton aide, mais tu ferais mieux de sortir, de l'aider parce qu'il a besoin de toi. Et ensuite, il faut compenser ça. Si tu étais sorti, donc il faut refaire l'atikaf. Mais tu as peut-être, Allah te donne l'occasion, en sortant, d'aller aider quelqu'un un mois d'atikaf. C'est mieux qu'un mois d'atikaf. Donc, nous, souvent, on aime des choses. Ah, moi, je veux plaire à Allah. Mais est-ce que Allah veut que tu lui plaises par ça? Allah te t'offre mieux. Allah n'a jamais offert moins. Allah t'offre mieux. Moi, je veux prier très bien. Mais il te dit, si tu fais ça, c'est mieux encore que ça. Donc, je pense que c'est notre façon de voir la religion qu'il faut changer. Peut-être avec le Ramadan, inchallah, ça va nous aider à changer nos comportements. Le point dont tu as parlé qui est une règle de jurisprudence chez Ulama, ils disent « Mala yudraku kulluhu la yudraku jullu ». C'est-à-dire que ce que tu ne peux pas faire complètement, tu ne le délaisses pas complètement. Il y en a beaucoup, mais j'arrive pas à faire ça. Du coup, je délaisse complètement, je ne le fais pas, et c'est important de faire le maximum qu'on puisse faire, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire. J'ai d'autres questions, inshallah ta'ala. Alors, il y a une question... quelques sœurs, enfin d'une sœur a priori, le maquillage annule-t-il le jeûne? Alhamdulillah, comme on a dit, tout est permis, alayka salam wa rahmatullah, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Le maquillage, s'il est permis et il l'est, dans des conditions, il reste permis pendant le Ramadan. Le maquillage, si c'est pour sortir, séduire les uns et les autres, en dehors du Ramadan, il est interdit. Donc pendant le Ramadan, il est encore plus interdit. Voilà, les interdits restent interdits. C'est ce qu'on a dit au début. Tout ce qui était interdit avant le Ramadan est interdit pendant le Ramadan. C'est pas parce que c'est le Ramadan. Oui, est-ce que ça rend le jeûne? On est administratif avec Dieu. Ah, Dieu sait que moi, j'ai pas mangé. Mais j'ai mangé la chair de ma sœur. J'ai mangé la chair de mon frère. J'étais dans la médisance. J'étais dans le mensonge. Dieu n'accepte pas ça. Ce qui est interdit, c'est pas parce que c'est le Ramadan. Ce n'est pas seulement le ventre qui jeûne. Il faut que les yeux jeûnent. Il faut que les oreilles jeûnent. Il faut que la bouche jeûne. Ce n'est pas seulement de s'arrêter, de consommer, ce n'est pas ça. Il faudrait respecter la allakum tatakun, comme tu l'as dit, pour que vous atteigniez la piété. La piété, ce n'est pas, c'est pas éviter l'obésité ou de faire de la lipolyse, parce que j'ai plein de graisse, donc je vais en profiter pour perdre des kilos. Non, ce n'est pas ça la piété. La piété, c'est que tu observes, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il aime. En lui obéissant et en évitant donc de lui désobéir et d'être patient pour ce qui t'arrive. Donc il faut remettre pour moi les pendules à l'heure, il faut mettre les choses à leur place et profiter, inshallah, grâce à Allah, de ce mois de Ramadan pour faire mieux encore que ce que Allah nous a permis de faire les autres mois. Barakallahu fik. On va essayer de répondre au plus possible aux questions. Quand on est en voyage pour le travail, est-ce que je peux ne pas jeûner? Il n'y a pas de voyage où on ne peut pas jeûner si le voyage est licite. Quand on va pour le travail, ça fait partie de l'adoration. Si on observe ce qu'Allah aime, on peut ne pas. C'est Allah qui dit dans deux versets, 184 et 185, qui se suivent. Mankana maridan ou Allah safarin. Quand Allah safarin, il a dit qu'il est en voyage. On peut, bien sûr, si on va pour le travail peut devenir de l'adoration si on observe un certain nombre de règles, mais il est permis, bien sûr, pendant le voyage, de ne pas jeûner. Comme il est permis de jeûner. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est toi qui choisis. Si tu veux jeûner, tu peux jeûner. Si tu ne veux pas jeûner, ou tu veux, les compagnons du Prophète sallam l'accompagnaient, et il y en a qui jeûnaient, et on ne leur reprochait pas pourquoi ils jeûnaient. Il y en a qui ne jeûnaient pas, on ne leur reprochait pas pourquoi ils ne jeûnaient pas. Donc c'est permis. Il y a une question qui est simple. Est-ce obligatoire pour une femme de rattraper les jours de jeûne, jours non jeûnés? À cause des monstrues. Non, je te renvoie à YouTube de la mosquée Mireille. Et on a fait une vidéo de 10 minutes l'année dernière et qui est encore disponible. Il y a une obligation de rattraper
le jeûne pour cause de d'indisposition. Mmh. Et d'ailleurs, Aïcha disait, Yannick Al-Alagré, pendant du temps du prophète sallam, on nous ordonnait de rattraper le jeûne et pas la prière. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que peut-être qu'en ne faisant pas la prière à l'heure, peut-être qu'Allah ne va pas l'accepter. Il donnait comme argument, ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée ne jeûne pas et ne prie pas. Allah lui dit de rendre le jeûne, mais Allah lui dit, ne lui dit pas de rendre la prière. Parce que Allah dit dans la sourate An-Kabout, verset 45, dans la sourate An-Nisa, verset 103, Allah dit Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants à un moment bien déterminé. Et donc, si ce moment passe, puisqu'elle n'a pas pu, Allah lui a permis, Allah lui a même interdit de prier, Allah ne lui demande pas de rendre la prière. Parce que la prière doit se faire à des moments bien déterminés. Et donc, le jeûne, oui, elle doit rendre le jeûne, c'est obligatoire, avant le prochain Ramadan. Donc, beaucoup de nos sœurs, alhamdoulilah, le découvrent, elles ne le savaient pas. Donc, elles ont un certain nombre de jeûnes à rendre. Ah, mais maintenant que je ne savais pas, maintenant que je le sais, maintenant que tu le sais, ma sœur, Allah te veut du bien. Et tu dois rattraper les jeûnes, le jeûne des jours où tu as été indisposé, tu n'as pas jeûné. Et c'est une chance pour toi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Et celui qui jeûne un seul jour pour Allah subhanahu, pour sa noble face, Allah éloigne sa face de l'enfer d'une descente de 70 années de marche. Un seul jour de jeûne te vaudra, alhamdoulilah, que tu es en train de rattraper, tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, c'est une dette. C'est une dette qu'il faut rendre. Wallahu a'lam wa a'lam. Alors j'en profite de la dernière question. Et après je passe à une question que je souhaiterais que Dr Reda souhaiterait que Dr Ada puisse y répondre, Inch'Allah. Une question, je suis pompier volontaire. Si jamais je fais un feu en pleine journée, c'est très dur physiquement. Est-ce que j'ai le droit de manger si je suis en train de tomber dans les pommes? Alors, j'en profite pour diviser en deux la question. La première étant, est-ce que c'est possible pour certains qui ont des travaux pénibles de ne pas jeûner? Et la deuxième question, effectivement, là, c'est très précis, il dit au moment si je tombe dans les pommes et que je crains pour ma vie, etc. Barakallahu fik, si tu pouvais en parler. La réponse, tu la connais très bien. Si je vais tomber dans les pommes, de toute façon, moi-même, oui, on ne va même pas me demander si je dois arrêter le jeûne ou pas. Ça, c'est clair. Si le SAMU intervient, ou si tu as une hypoglycémie, forcément, on va te donner du sucre. Tu ne vas pas refuser parce que tu es en train de. On a tous peur de la mort, tu es en train de partir. Donc, non, bien sûr. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Ça, c'est la deuxième partie de la question. La plus facile, tu dois rompre le jeûne. La vie l'emporte, on l'a déjà vu, sur la religion. Tout à fait. La vie l'emporte sur la religion. C'est pour cela qu'Allah nous permet de manger du porc et même de boire un peu d'alcool si on n'a que ça pour sauver la vie. Mm-hmm. La première question, effectivement, les savants, ils ont discuté de la question. Je suis un footballeur professionnel. Voilà. Et je suis en ceci et cela. Et est-ce que je peux ne pas jeûner? Moi, je ne connais pas de permission de ne pas jeûner pendant ce temps-là. Ce que je connais, c'est que tu prends comme ce pompier, c'est un très beau métier, le pompier de sauver des vies, alhamdoulilah, il faut le faire avec une bonne intention. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Donc, alhamdoulilah, mon frère, il faudrait que tu gardes cette niya, cette intention, pour avoir beaucoup plus encore de récompenses. Donc, si tu es en train de... C'est pas parce que tu es pompier que tu n'as pas été créé pour être pompier. Voilà. Le pompier, c'est un métier, un beau métier, mais qui ne doit pas t'empêcher d'adorer Allah. Donc, si tu es pompier et qu'effectivement, il arrive que tu aies besoin de manger, ben tu manges. Donc, il faut pas... Les gens, non, moi, je ne peux pas supporter, je travaille en hauteur, je travaille dans la construction. Eh bien, arrête. Fais autre chose. Tu n'as pas été créé pour travailler. Ce qu'il te faut faire, c'est sortir de chez toi avec l'intention de jeûner. Et ensuite, il arrive ce qu'il arrive dans la journée, tu as le droit de rompre le jeûne. Comme on a vu à la fin de la question. Barakallahu fik, d'avoir coupé la question en deux. C'est-à-dire que je commence mon jeûne, ma journée de jeûne, mais je ne vais pas manger après le suhoor, en disant non, aujourd'hui ça va être dur. Et si tu tombes malade? Et si c'est annulé, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu sors en jeûnant, et si en travaillant, alhamdoulilah, tu vois que tu ne peux pas supporter, à ce moment, il t'est permis de rompre le jeûne et de le rendre plus tard. Mais pas décider que moi, j'ai un truc, c'est moi qui vais sauver le monde.
Voilà. Donc, Dieu me permet, non. Si tu es en voyage, tu es malade, Allah te permet, quand tu as atteint un certain âge de décrépitude, quand tu es très éprouvé par l'âge, ou tu es en traitement, ou autre chose, Allah te permet de ne pas jeûner. Là, tu ne jeûnes pas. Là, je te le déconseille, pour ne même pas dire, je te l'interdis. Maintenant, si tu penses que le travail est pénible, ben, tu sors de chez toi avec un bon souhour. Je pense que c'est quand même très bien. Il dit même avec de l'eau, mais alhamdoulilah que le prophète nous a enseigné tout le bien. Et donc, il est très bien de manger tôt. Mais toi, tu es paresseux, tu ne veux pas te lever pour prendre un déjeuner, parce que ben, ça va t'empêcher de dormir après. Mais justement, ce n'est pas fait pour ça. Obéir à Allah, obéir au prophète, il a dit, en substance, la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le suhoor. Donc, il y a une baraka. Il dit, prenez le suhoor, il y a une baraka. Le repas de fin de nuit, il a dit, il y a une baraka. C'est ce qu'il vient de nous confirmer, Rida. Il y a une bénédiction dans le repas de nuit. Voilà. Donc, lève-toi pour prendre ça. Ça va te faire du bien. Et nous, les prophètes, alayhi salam, il a dit, nous, les prophètes, on nous a donné trois choses. C'est de retarder ce suhoor-là, justement. Comme il a dit, Rida, ça te permettra certainement de résister plus. Et d'accélérer ou de rompre le jeûne dès que le soleil est couché et de mettre la droite sur la gauche dans la prière, ça fait partie. Wallahu a'lam wa a'lam. Jazakallahu khair. Je profite pour poser la question au frère Reda, qu'Allah le bénisse. Une question, une sœur qui demande, elle dit qu'on vient de découvrir que sa maman a une leucémie myéloïde chronique. Elle doit prendre un comprimé chaque jour, elle va le prendre le soir. Son oncologue lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle jeûne car il faut qu'elle s'hydrate. Mais ma mère veut tout de même jeûner. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il faut qu'elle suive le conseil de l'oncologue parce qu'il la connaît bien. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas des négociations, c'est comme il a très bien dit, Cheikh. Le jeûne, c'est d'abord l'intention. Et puis, l'ayyukalifullahu nafsan, il est au sahara. Si notre corps nous permet de jeûner, oui, mais si un professionnel de santé, et en plus un oncologue, parce que c'est un cancer du sang, donc il est bien placé pour savoir si elle doit jeûner ou pas. Barakallahu fik. Il y a un frère qui a priori un médecin, il dit qu'il y a beaucoup de patients qui me demandent s'ils peuvent jeûner parce qu'ils sont fatigués ou avec des maladies bénignes. Je les renvoie vers vous les imams, ils sont très insistant. Je ne sais pas si tu as peut-être l'occasion d'avoir de tels frères et sœurs qui veulent avoir effectivement des avis pour pas jeûner. Tout à l'heure, on a parlé de quelles sont les maladies, justement, le type de maladie qui nous obligerait, grosso modo, à jeûner. Alors, enfin, à ne pas jeûner, pardon. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il n'y a pas de maladie qui contre-indique le jeûne. Même le diabète qui peut paraître un peu... On peut jeûner quand on a un diabète qui est stable, si on prend juste un comprimé par jour. C'est vraiment, ça dépend de l'état du patient et ça dépend de son traitement. Et s'il est bien suivi, s'il obéit aux recommandations, s'il suit correctement son traitement. Voilà, il n'y a pas de... Alors là, l'oncologue, il a interdit, donc il y a des raisons médicales pour ne pas le faire. Alors, je profite qu'on est sur les frères avant qu'ils s'endorment. J'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, leur donner l'occasion de poser une question ou des questions. Inch'Allah, on va en profiter. Est-ce que vous auriez des questions, nos frères qui sont là ? Inch'Allah Ta'ala, je vais finir par une question moi-même. Tout est clair ? Pas de questions particulières ? Alhamdoulilah. Alors, Je reviens par rapport aux maladies. Quelles sont, du point de vue religieux, les maladies qui nous permettent de ne pas jeûner, barakallahu fik ? Parce que je sais que voilà, il y a des divergences parfois sur ces questions-là. Est-ce que tu pourrais juste aiguiller nos sœurs et nos frères dans ce sens où parfois ils ont mal à la tête, ils ont des douleurs, des choses comme ça, ils se disent aujourd'hui, comme je suis malade, je ne jeûne pas. Non, mais là, ça revient un peu à la question du frère médecin dont tu parles. Je suis fatigué, donc je ne jeûne pas. Il faut savoir que, alhamdoulilah, si on avait, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith Qudsi,
si bien si aimé par les savants du Cham, si mes serviteurs, ô mes serviteurs du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Mes serviteurs du premier au dernier, si vous aviez le cœur aussi pourri que le plus pourri d'entre vous, on pense à Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Et donc, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer. Dieu sait ce qui n'est pas. Dieu sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Et quand on a demandé au prophète sallam al-Ihsan, il a dit c'est que ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Allah sait parfaitement tout avant d'avoir créé. Donc, il ne faut pas jouer. Allah sait si tu peux supporter le jeûne ou pas. La yukallihu Allahu nafsan illa wusaha. Certains l'interprètent, le dernier verset de la Sourate al-Baqarah, ils l'interprètent, ah non mais écoute, hein, Allah n'impose à aucun homme ce qu'il ne peut pas supporter. Le problème c'est que si Allah te l'a ordonné, c'est que tu peux supporter. On le comprend souvent, non, écoute, hein, Allah ghalib, comme le dirait quelqu'un d'autre, eh bien écoute, c'est Allah qui a décidé, je ne peux pas jeûner. Allah sait si tu ne peux pas jeûner ou pas, il ne t'a pas dit de te suicider. Si tu ne peux pas, comme ce pompier, ou comme quelqu'un qui est malade, cette sœur, cette mère qui est atteinte de leucémie, il y a un cas à la purifier, et lui accorde la santé, si c'est le bien pour elle, il n'y a pas à discuter. Maintenant, j'ai un petit bobo, j'ai mal à la tête, je peux patienter. C'est peut-être dû, comme tu l'as dit, Rida, c'est peut-être les deux premiers jours, j'ai mal à la tête parce que j'ai une addiction au café ou à autre chose. Mm-hmm. Voilà, j'ai mal à la tête, mais est-ce que ce n'est pas supportable? Allah sait que c'est supportable. Si c'est pas supportable, il y a pas de souci. Tu n'as pas besoin d'un médecin, de l'avis d'un médecin ou d'un certificat pour arrêter le jeûne. Non, tu n'en as pas besoin. Il faut qu'on craigne Allah. C'est fait pour ça justement. Il faut qu'on atteigne la piété, qu'on sache que Allah sait tout et que Allah nous donne l'occasion de jeûner. Si tu ne peux pas jeûner, c'est toi qui perds. C'est pas Allah. C'est toi qui perds. Et si tu mens en plus, tu veux pas jeûner parce que tu trouves un prétexte, mais c'est toi qui perds. Tu peux tromper tout le monde sauf Allah. Même toi-même, tu peux te tromper. Tu peux te tromper toi-même, mais jamais Allah. Mais il faut profiter de cette facilité. S'il y a des maladies qui t'éprouvent et qui ne te permettent pas de jeûner, ne te suicide pas. Allah te permet de ne pas jeûner. Mais de là, je suis fatigué quand je jeûne. Mais bien sûr que tu es fatigué. Si je n'étais pas fatigué, ça n'aurait pas de mérite. Tu ne peux pas être comme quelqu'un qui n'a pas jeûné. C'est sûr. Quelqu'un qui a mangé, qui a bu, etc. Tu n'es pas aussi performant que. Mais grâce à Allah, au travers de la foi qui va te donner, je ne parle pas de la récompense dans l'au-delà, au travers de la foi qui va te donner, certainement tu vas faire des efforts, ne serait-ce que par jalousie. Moi, j'ai dit, ne serait-ce que par jalousie. On dit, ah oui, mais les musulmans, là, ne leur demandent pas trop, hein, pendant le ramadan. Hein. Non. Vous savez, le prophète sallam, dans le tawaf d'arrivée à la Kaaba, quand tu arrives, les trois premiers tours, qu'est-ce qu'il faisait quand on pouvait? Il faisait l'âme. Il faisait le tour assez rapidement, presque à petit trot. Pourquoi? Parce que les Mécois, ils ont dit, voilà les gens de Médine, ils sont envahis par la fièvre, ils sont faibles. Le prophète sallam le savait, Allah lui a dit. Et donc, ils ont montré qu'ils étaient, malgré le voyage, ils étaient en bonne forme. Donc, on doit être fier de son islam. En te disant, on me dit que c'est le ramadan, je ne vais pas faire. Non, je vais le faire. Pas parce que ce n'est pas pour toi qu'il le fait. Tu le fais parce que Allah, s'il a prescrit, c'est que c'est faisable. Si ce n'était pas faisable, il ne l'aurait pas fait. Donc il faut au moins être jaloux de sa religion. En disant que ben, les musulmans vont passer, ce n'est pas des congés payés. Ils ne sont pas payés à ne rien faire, à dormir au travail ou je ne sais quoi d'autre. Non. Il faut faire attention, bien sûr, il y a une hygiène de vie. Il ne faut pas passer sa nuit à la mosquée ou devant la mosquée, malheureusement, et ne pas aller au travail ou ne pas travailler. Il faut travailler. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'un peu de sieste, j'ai besoin de me coucher un peu tôt, j'ai besoin de me réveiller et je fais des efforts. S'il n'y avait pas d'efforts à faire, ça n'aurait pas de mérite, mes frères. Ça n'aurait pas de mérite. Si Ramadan, c'est comme non-Ramadan, mais tu manges juste à satiété, tu n'es pas fatigué, non, ça n'aurait pas de mérite. Allah t'éprouve. Est-ce que je t'ordonne ça? Tu sais que tu es capable parce que je te donne la force de le faire. Est-ce qu'avec ça, tu vas être aussi performant ou tu vas chercher la performance malgré cet état physique? Mais s'il n'y avait pas de difficulté, comme je dis à certains, si ce n'était pas difficile, il n'y aurait pas de mérite. Il n'y aurait pas de mérite. Donc on ne se mente surtout pas.
Et c'est pas Allah qu'on va tromper. On peut tromper qui on veut, qui on peut plutôt, et jamais Allah. Wallahu ala wa ala. Kabarakallahu fik. Je voudrais juste continuer dans la même lancée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui paieraient des centaines, voire des milliers d'euros pour aller faire ce qu'on appelle des détoxifications de foie et compagnie. On a la possibilité de faire ça gratuitement et avec un effet quasiment assuré. Donc il faut penser aussi à cet effet. Alors, en plus de l'effet, bien sûr, spirituel qui en premier lieu, mais l'effet sur le corps humain, il est aujourd'hui confirmé par des études scientifiques, etc. Donc voilà, on est gagnant sur toute la ligne. C'est pas que une partie, quoi. Voilà. Que Jazakallah khairan de faire ce rappel important. Je me permets d'ajouter, effectivement, comme Ibn al-Arabi, rahmatullahi ta'ala, Sir Qurtubi, dans l'explication du verset Faman kana minkum maridan ala safar, il dit qu'effectivement, il y a deux catégories. C'est celui qui est malade et qui ne peut aucunement supporter le jeûne, ne doit pas jeûner. C'est obligatoire pour lui de ne pas jeûner. Et ça, il y a beaucoup en fait qui se mettent en danger. Et la deuxième catégorie, effectivement, qui pour eux, c'est ceux qui jeûnent. Il peut jeûner, mais ça occasionne des préjudices. Il jeûne, mais avec une grande difficulté pour lui. Il est recommandé, ils ne disent pas que c'est interdit pour lui de ne pas jeûner, mais il est recommandé pour lui de ne pas jeûner, parce qu'il se met en difficulté. Surtout parfois, il y en a qui aggravent la maladie ou qui retardent la guérison. Et ça, c'est effectivement, vaut mieux ne pas jeûner. Sauf si on se met en danger à ce moment-là, si on se met en danger, il faut absolument ne pas jeûner. Il y en a beaucoup qui se mettent en danger. Barakallahu fik, d'en avoir parlé tout à l'heure, il faut vraiment suivre effectivement son médecin de confiance. Le médecin, s'il te dit que c'est dangereux, il ne faut pas, effectivement, il faut pas se jeter dans le tchahluka, dans la destruction, dans la mort. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et il sait ce quand on peut supporter le jeûne, on ne peut pas le supporter. Barakallahu fikoum. Je vais juste, effectivement, on va terminer là, on va arrêter avec les questions, je pense qu'il y en a d'autres, l'alhamd. Juste un mot pour conclure, Cheikh et frère Reda, si tu as quelque chose à conseiller ou sœurs et aux frères avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, on arrêtera à ce moment-là. Bismillah, alhamdulillah, ashhadu la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Je dis simplement qu'on n'est pas, cette vie est courte. Et qu'il faudrait faire des efforts, et on ne fera des efforts que grâce à Allah. Et moi, comme objectif, comme j'ai fixé, et je reste dessus, c'est qu'on espère, on se fasse un programme, et on espère que ce sera le meilleur mois de Ramadan déjà passé. L'an prochain, bien sûr, on espère encore être meilleur, mais qu'on ne se contente pas. Moi, j'ai jeûné 40 ans, il se peut qu'Allah n'ait pas accepté un seul jour. Donc, il faut être ambitieux, il faut demander l'aide d'Allah, et faire des efforts. Donc, inshallah, qu'Allah nous le facilite. Faire beaucoup de doigts, parce que vous ne voudrez que si Allah le veut. Il faut lui faire confiance. S'il nous a ordonné, c'est qu'il y a le bien dans le jeûne. D'accord. Pour atteindre la piété, ça vaut le coup. Et celui qui a souffert, a dit le prophète, le plus dans ce bon monde, s'il rentre au paradis, et on le, tant soit peu, après on le fait sortir de là, on lui demande ce qu'il a déjà souffert dans le bon monde, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. On sait tous, quand on a été malade et ensuite on est guéri, on oublie. Quand on a eu faim, on a mangé, on oublie. Donc c'est un petit moment. C'est un petit moment. Et alhamdoulilah, il faut le supporter, mais avec beaucoup de plaisir, tout en souffrant, avec beaucoup de plaisir, et sachant bien sûr que là, Allah tient sa promesse.